C'est mon devoir étant que l'aîné de la famille, de se rassurer que notre table ne manque pas de la nourriture. Je veux commencer un petit business avec le peu d'argent que j'ai pour subvenir à nos besoins. Angela, je comprends ce que tu ressens. Je peux voir l'amour que tu as pour tes frères. J'ai l'espoir que Dieu ne va pas nous décevoir. J'aurais voulu que votre père puisse être là. Ah, maman, arrête. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. S'il était là, vous alliez faire de grandes études. Parce que c'était ça, son rêve. Je t'en prie, arrête ça. Dois-tu te lamenter à chaque fois? Ok, si tu commences à pleurer, comment penses-tu qu'on va se sentir? C'est ce qui nous est arrivé, nous devons juste l'accepter. S'il te plaît. Arrête ça, maman, stop. Ça va aller. Maman, arrête de te déranger. Maman, dès que je commence ce business, je vais épargner de l'argent juste pour rassurer que nous soyons confortables. Et où? Adanaya, je remercie Dieu pour t'avoir. Tu as été comme un mari pour moi et un père pour tes frères. Depuis que j'ai été cloîtrée sur cette chaise, tu t'es toujours débrouillée par-ci, par-là pour nous trouver de quoi manger. Ma fille, Dieu va te bénir. Il va te bénir. Amen. Hey, oh. Maman, je pense que tu dois occuper rejoindre Mazuko dans son atelier de menuiserie. Qu'en penses-tu? Chizuke, tu as entendu ce que ta grande sœur vient de dire. C'est quoi ton idée? Es-tu d'accord avec ça ou soit? La menuiserie, voyons. Qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, la menuiserie n'est pas du tout une mauvaise idée. Ça, c'est si il accepte de me prendre. Ok, alors. Je crois que je prendrai ça pour un passe-temps. Le temps que Dieu bénisse Adanne. Là, je pourrais retourner à l'école. Ma sœur, alors moi, tu sais bien que je ne fais rien ici au village. Je sais, t'inquiète. Je le ferai l'un après l'autre, ok? Izuna, tu dois donner à ta sœur un peu de l'espace. S'il te plaît, tu ne peux donc pas voir que c'est elle qui porte tous ses fardeaux? Laisse d'abord ton grand frère commencer à travailler. Et plus tard, elle te trouvera quoi faire. Oh, doucement. Ma sœur, à ce qui me concerne, quel est ton plan pour moi? Kichi, permets-moi de fixer d'abord avec celui de Tijoki, ok? Que veux-tu dire par alors, toi? Si tu commences quelque chose maintenant, qui est-ce qui prendra soin de maman? Hein? Si elle a besoin d'eau, qui est-ce qui lui en donnera avec la nourriture? Tu parles et alors toi? Pour l'instant, tu dois te calmer. Tu ne dois rien faire encore. Laisse-moi y aller en premier. Cette vie n'est rien d'autre qu'une tortue. Il faut vraiment y aller doucement. Tu es ok. Quand tu parles des Ouzo, n'exclus pas les femmes. Oh. Maman, tu je ne suis pas un garçon, mais au moins, là maintenant, commence je vais pas... Commence d'abord par apprendre la charpenterie. Une fois que le moment viendra, elle te non, verra non, quoi maman, faire. Elle ne doit pas te quitter. Et alors, quand je ne resterai pas dans cet état toute ma vie. Oui, amen. Je sais qu'un jour, je vais m'élever et j'irai marcher. Amen. Adanne. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton frère Chizuke. Maman, que penses-tu à propos d'Izana? Il est devenu paresseux. Je lui avais dit d'aller chercher le bois de chauffage avant de partir, mais il n'a rien fait. Maman, t'inquiète pas, d'accord? Je vais prendre soin de tout. Laisse-moi hey. Faire ce que je fais. Maman, oh, ma maman. Sœur, maman, elle est de retour. Ma fille, bienvenue. Maman. Je suis là, laisse-moi prendre de l'escabeau. Mon Dieu. Eh oh, maman, elle a tout fini. Angelina. Angelina, ma fille. Maman. Ne me dis pas que tu as fini de vendre à 7 heures de la journée. Maman, C'est fini?
Tes prières fonctionnent comme le feu. Hey, hey. Le feu du Saint-Esprit. Maman, dès qu'on est arrivé au marché, c'est tout le monde qui était. Genre, Romanus, les riz et les haricots. Les haricots et les riz. Les riz et les haricots. Jusqu'à ce que tout était fini. Que Dieu soit loué. Tout est fini. Que Dieu soit loué. Maman, bénissons Dieu. Bienvenue, ma fille. Maman, je t'ai apporté quelque chose. Hey, ma fille. Ma sœur, je dois être la première personne à être conseillée dans cette maison. C'est quoi, maman, seulement, j'ai amené quelque chose pour toi, j'ai amené quelque chose pour toi. Qui l'a dit? Maman n'est pas ta seule petite sœur. Mais voyez-moi celle qui parle des sœurs. N'est-ce pas telle que je suis là, c'est moi, sa maman? Oh. Hein? Je suis sa sœur. S'il te plaît, donne-moi ce que tu m'as apporté. Ma sœur, ce que tu fais n'est pas du tout bien. Oh. D'autres personnes prennent bien ceux de leur petite sœur. Hein? Mais toi, tu as l'habitude de m'écarter, je ne sais pas comment. Katie, je t'ai aussi apporté quelque chose avant que tu me crucifies. Ouvre ce bol. Tu verras. Laisse-la d'abord aller mettre le chariot derrière. Ok, maman. Tiens-moi ça, je reviens. Je reviens. Je reviens, maman. Maman. En fait, je vais commencer à prier avec toi. Nous allons commencer à prier chaque nuit. Prie avec moi. La prière marche. Ça marche. Dieu entend nos prières. Dieu me donnera la force de prendre soin de ma maman. Maman, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne vas pas souffrir. Amen. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Je vais continuer à prier pour toi. C'est maman. Ça, ma fille. Et Dieu nous entendra. Oh, ma fille chérie. Prends le biscuit. Kachi. Allez, arrête, Romanus. Loma, Loma. Hey, comment allez-vous, ma future belle femme? Je vais bien. Bon après-midi. Oh, bonsoir, Angie. Ah, Anke. Comment vas-tu? Dieu nous fait grâce. Comment le marché? Ça va par la grâce de Dieu. Nous avons pris un break. C'est pourquoi nous sommes à la maison en train de nous reposer. Je sais. Et comment est-il de votre mère? Elle est à la maison, elle dort. Que je l'appelle? Non. Non, j'étais seulement de passage. Alors, je me suis dit de juste passer, savoir comment vous alliez. Ah, oncle, c'est très gentil de ta part. Merci. Oncle, que je vous donne une chaise alors? Oh, non, ne vous inquiétez pas. Tu sais, Angie, ta mère m'a dit que tu as inscrit Tijokwe dans un atelier de charpenterie. Oh, Angie, tu fais ce que ton père était supposé faire, si seulement il était encore en vie. Partout se trouve votre père. Je sais qu'il est fier de vous. Il doit être content de vous. Oncle, tu sais combien j'aime ma famille. Après, je dois faire tout pour les rendre heureux. Ils sont ma priorité. Notre Dieu te bénira. Je veux que tous tes efforts mènent au succès. Loma, Loma. Moi, je veux déjà partir. Alors, je veux que tu prennes très bien soin de ma fille. Tu sais qu'elle a beaucoup d'estime pour moi. Hein? C'est très bien, ne vous en faites pas. Très bien. Oncle. Merci. Au revoir. Merci, oncle. Oui. Ton oncle, c'est un homme sage. Bien sûr. C'est la condition qui fait défaut, sinon je prendrai soin de lui aussi. C'est très bien. Achetez les riz. Votre riz est passé. Achetez les riz. Achetez les riz. Votre riz est passé. Les riz romantiques. Achetez les riz. Achetez les riz romantiques. Achetez les riz qui est romantique. Les riz. Tu achètes les riz, tu trouves l'amour. Tu achètes les riz, tu trouves le bonheur. Achetez les riz romantiques. Les riz qui apportent le bonheur. Achetez les riz. Achetez du bon riz. Achetez les riz. Les riz. Ici, on vend les riz. Ici, nous vendons les riz. Achetez les riz. Achetez les riz. Les riz romantiques. Achetez les riz.
Ah, Romain, comment tu vas? Comment vas-tu? Je vais bien, oh. Comment est-ce que ça va au boulot? Tout va bien. Ça évolue, oui. Chai. Comment tu vas, toi? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Bonjour. Bonjour, Naï. Bonjour, mes enfants. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Chai. Chai. Ça va bien. Tout va bien. Est-ce que Paul va bien? Oui, tout va bien. Ah, ça va. Regarde, Romain. Tu sais, en tant que mon homme, il y a quelque chose qui me dérange depuis un moment où je crois quelqu'un est mort? Non, personne. Je me disais seulement qu'au moment où j'allais te voir, on finirait par en parler. À propos de quoi? Ça concerne ton boulot. Avec Angelina, ta femme. Mon travail? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais très bien que tu es mature. Tu sais, en tant qu'un jeune homme, ce n'est pas bien que tu la suives partout en poussant le chariot sur la route. Je te parle juste comme mon pote à moi. Ce n'est pas comme si... Oh, ok. Puisque je suis Angelina, en poussant les chariots, et que ce n'est pas bien, donc ce que tu aimerais que je fasse, c'est de transporter les cercueils, n'est-ce pas? Les amène au cimetière. Non, ce n'est pas du tout ça. Pour les cadavres. Un. Qui veux-tu dire par ce n'est pas du tout ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, tu veux maintenant m'apprendre comment je vais gérer ma vie? Maintenant, pas du tout non, ça. Non, 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 attends. Là, tu as touché ma vie privée. Et là, tu t'occupes de l'organisation de la vie des gens. Et maintenant, tu organises la vie future des gens. Et comment ils doivent vivre leur vie. Tu veux que j'arrête de pousser l'église et pousse votre famille? Arrête cette incompréhension. Écoute, hein. T'es un jeune homme comme moi. Rempli de vie. Écoute, les gens dans ce village n'arrêtent pas de parler de toi. C'est évident qu'ils te voient comme quelqu'un qui n'a pas de futur. Donc, tu es une femme de ménage? C'est ce qu'ils disent en tout cas. Moi, une femme de ménage? Et toi, tu es qui? Femme, juge. Mais j'ai un shop, non? Attends, attends, tu as quoi? J'ai un shop. Tu n'es qu'un petit lit. Moi? Et c'est même lui qui va se brûler bientôt. Ne m'insulte pas. Pourquoi tu penses que c'est une insulte? Ne m'insulte pas. Tu ne sais pas que ta vie là, comme tu es là, de la tête aux pieds, c'est une insulte? Tu es une insulte pour la communauté. De la tête aux pieds, c'est une insulte. Et tu me regardes de cette façon-là. T'es sérieux? Regarde, prends le miroir, mets-le devant ta face et observe. Concentre-toi sur ton visage. Et tu comprendras comment tu ressembles à un hibou. Un petit hibou. Un petit hibou qui fait crou-crou, 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 crou-crou. C'est à ça que tu ressembles. Pas. Je vais t'insulter. Tu m'insultes pas, oh. Oui, je vais t'insulter et je t'insulte encore. J'étais juste en train de donner un conseil en tant qu'homme. Tu veux donner un conseil à ton père? Tu devais rentrer à la maison, faire asseoir tes parents et tu les conseilles. Dis-leur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre au monde quelqu'un comme toi là? Arrête d'insulter mes parents. Si tu me parles encore de cette manière, je ne te blâme pas. C'est la conséquence de s'asseoir avec les filles pour me critiquer. Parmi toutes ces personnes dans ce village, c'est moi qui vous voyez pour critiquer. Seulement moi. Romanus Romance. Est-ce que tu connais d'où est venu mon nom? De la romance. Mon nom est dérivé des romances. C'est là où j'ai pris le nom de Romanus. Et tu viens me critiquer. Ne t'en fais pas. Je vais en finir avec toi. C'est avec moi que tu joues comme ça. Tu veux me conseiller? Quel conseil? Quel conseil tu vas me donner? Mais c'est quoi les problèmes avec les gens de ces villages? Vous ne pouvez pas vous occuper de vos affaires? Est-ce que vous êtes censé parler de tout ce que vous voyez? Ok. C'est bien. Mais il n'y a pas de problème. Je sais comment en finir avec les gens comme toi. Quand vous avez décidé de faire de moi un sujet de moquerie dans cette communauté, ne me parle plus jamais de ça. Mon conseil. Que la foudre s'abatte sur toi. Tu es encore très jeune. Stupide. Ne détruis pas ta vie pour une femme. C'est bien. On est là, on veut t'aider. Voilà que tu te comportes bizarrement. Frère, comment tu évolues maintenant? Comment ça se passe avec ton petit job? Non. Eh ben, je glorifie Dieu. Au moins, j'avance maintenant. Mais sinon, ce n'est pas facile, oh. Si vous regardez ma main maintenant, vous verrez un doigt que le marteau a massacré. Mais la chose la plus capitale est qu'on avance. Maman, sais-tu que j'ai pu fabriquer une chaise de cuisine pour un de nos clients aujourd'hui? Es-tu sérieux? Je le jure, maman. Tu l'as fait? Bien sûr. Le patron était tellement content. Il a dit que j'apprends plus vite que les autres apprentis. Hey. N'es-tu pas contente de moi? Bien sûr que je suis contente. Je le suis. Pourquoi je ne laisserai pas? Ok. Merci chérie. Je suis très fière de toi.
Bientôt, tu passeras d'élève au maître et tu sais ce que cela veut dire. C'est l'argent qui va commencer à couler. Amen. L'histoire d'argent est celle-ci. Lorsque tu as un contrat immobilier, hein, tu peux faire beaucoup plus d'argent. Wow. Je crois vraiment que très bientôt, je vais commencer à penser à comment renouveler Amen. Cette maison. Amen. Je suis impatiente de m'asseoir sur la chaise que mon fils aîné a fabriquée. Ah, maman, sois patiente, tu vas voir mon ça. Mon fils aîné. Mon beau garçon. Maman. Oh, je t'aime. Grande sœur Angelina, j'ai besoin d'aller travailler comme domestique en ville. Je ne vois même pas mon importance dans ce village. Ne sais même pas le faire. Allez, ferme-moi cette bouche. Aucun de mes enfants n'ira travailler comme domestique, pas dans cette famille. Le souhait de votre père était que vous puissiez poursuivre les études. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Je vais devenir domestique. Tu ne sais pas que la plupart des gens qui travaillent dans des maisons sont toujours utilisés par leur patron. Ils les sacrifient dans des rituels ou vendre les parties de leur corps. Ça, c'est vrai, oh. Ce qu'elle dit là est vrai. Vraiment vrai. N'essaye même pas d'y aller. Hey! Izu, viens. Approche. Allez, prends place ici. Tu as entendu ce que maman dit? Nous voulons tous le meilleur pour toi. Tu dois être patient. Avec le temps, tu dois reprendre l'école, d'accord? Ce n'est pas un crime pour nous de voir l'un de vous être en uniforme, aller à l'école et poursuivre des études normalement. T'inquiète, bientôt nous aurons des licenciés dans cette famille. Hein? Tu ne déranges pas. Ça là, c'est bien vrai. C'est pour ça que tu parles à voix basse. Qui n'aime pas de belles choses? Il ne s'agit pas seulement d'un seul enfant. Tous mes enfants finiront les études. Amen. Ils iront tous à l'école. Exact. C'est de cette façon que ton père sera content, peu importe là où il se trouve. Et s'il te plaît, ne parle plus de cette chose. Comment ça, domestique? Maman, honnêtement, je ne suis pas content. Tu veux dis, mon ami, tais-toi. Hein, allez, ferme-moi ta bouche là, ok? Tu n'entends pas ce qu'elle dit? Tu as intérêt à être heureux. Tu as intérêt à être heureux, mon fils. Sois heureux. Tu ne peux donc pas voir que c'est Adanaï qui nous supporte tous dans cette maison. Calme-toi, mon garçon. Très bientôt, votre grand frère va commencer à se faire de l'argent. Et le coût sera réduit. Adanaï fait vraiment de son mieux. T'en fais pas, très bientôt. Je vais t'aider. Je l'espère bien. Oui. Alors arrête avec ton entêtement. C'est celle de dire que tu veux tout le temps aller en ville. Non, il va aller à l'école et non en ville. Il ne sera pas un garçon de course. Achetez les riz. Les riz romantiques, achetez les riz. Les riz romantiques, achetez les riz. Attention, tu vas en Qu'est-ce que se passe ici? Désolé, monsieur. Non, mais vous êtes malade. Pourquoi avez-vous effleuré cette voiture, non? Attends, calmez-vous. Je ne l'ai pas du tout effleuré. C'est juste une erreur. Quelle erreur? C'est ça, vous avez barré la route. Ferme-la, regarde. Pardon, s'il vous plaît. Normalement, il fallait que ça soit... Reste calme. Je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est couple de ma boule. Ils ont effleuré la voiture que j'ai parquée là. Je te demande pardon. J'espère qu'ils n'ont pas abîmé ma voiture. Non, madame, on n'a rien à dire. S'il vous plaît, madame. Je suis désolé. Pardon. Désolé. La voiture a bloqué la route et j'essaie de passer. Hein? S'il vous plaît. Angelina? Joséphine! Hey! Joséphine! Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est vraiment toi? Joséphine, c'est bien toi? Oh mon Dieu! Allez, j'ai fait tout ce magnifique corps. Bien sûr! Hey! Tu as peur tomber. Tu n'as pas changé, Joséphine. Hey, quelle coïncidence. Hey. Tu es toujours dans ces villages. Joséphine, je fais que me débrouiller avec ces petits business pour m'en sortir petit à petit. Quoi? Viens, s'il te plaît. Nous devons discuter. Ça fait très longtemps. Mais Joséphine, je devrais aller avec toi maintenant. À peine je viens de sortir. Je n'ai encore rien vendu. Tu vois? Et qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai fait de la nourriture pour les gens, ils viennent acheter pour manger. Peux-tu, s'il te plaît, venir avec moi? Viens, s'il te plaît, cousin, attends, Noma. Romain, c'est mon ami, hein, de longue date. Tu peux faire l'affaire, non? Il y a des clients qui attendent. Je crois que la vente sera assurée avec toi. Ne renverse pas ma nourriture, oh. Rassure-toi de bien, tu sais, non? Romain. Okay, c'est bon, on y va. Ngano. Le tablier. Oh! Allez, approche, enlève-le-moi. Hein?
Ah, c'est ton mari. C'est mon mari, oh. C'est notre amour qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous faisons tout à la romance. Nous faisons notre business ensemble. Eh, Romain, je crois que tu vas assurer les marchés, hein. Ne renverse pas la nourriture, mon amour. Romain. À tantôt. Achetez les riz. Joséphine, juste après la mort de mon père, ma mère a connu un accident et elle est maintenant sur une chaise roulante. Depuis, la vie est devenue très dure pour nous. Et c'est grâce à ces petits business que je prends soin de mes petits et des mamans. Ton histoire est très pathétique. Angelina, je dois être claire avec toi. Le genre de business que tu fais ne te convient pas. Ma sœur, ça c'est la seule option que j'ai. Tu crois que j'ai fait tous ces villages avec cette nourriture par plaisir? Je me débrouille pas mal juste pour assurer que la nourriture ne manque pas sur la table pour ma maman et pour mes petits. Je comprends. Je comprends très bien ce que tu ressens. Maintenant, écoute-moi, Angelina. Tu dois trouver du temps pour venir me rendre visite chez moi à la maison. Oui, je vais te présenter à quelqu'un qui va changer ta vie. Ça sera très gentil. Je serai contente de trouver un job où je gagnerai plus que ce que je fais avec ces business pour bien prendre soin de ma maman et de mes petits. Je serai très heureuse. D'accord. Merci beaucoup. Je promets de t'aider, Angelina. Après tout, tu étais mon amie quand nous étions à l'école. Donc, je peux tout faire pour toi. Ok? Je suis très reconnaissante, Joséphine. Je t'en prie. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça c'est ma carte de visite. Ah, tu es maintenant une grande dame, mon ami. On peut bien voir que tu respires. Simon. T'inquiète pas, ça va. Très bientôt, tu deviendras comme moi. J'en ai hâte. J'en ai hâte. C'est pour toi. Hein? C'est pour toi. Tout ça pour moi. Prends. Hé, Joséphine. Que Dieu te bénisse. Joséphine. C'est rien du tout. Tu risques de me pousser à pleurer. Beaucoup d'argent comme ça, tout ça pour moi. Tu sais combien de temps je prendrai en faisant le village juste pour réunir cette somme, Joséphine. Oh, ça Jésus. Va aller. Relax. Angelina, tu as entendu ce que je t'ai dit? Fais un effort de trouver les temps pour passer chez moi, ok? Joséphine, mon amie, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Oh. Je n'ai jamais pensé toucher une telle somme en ces moments. Hey, mon Dieu. Mon ami, écoute, c'est encore plus bon qu'hier. Monsieur, je crois que je vais en prendre moi aussi. Achetez les riz, c'est bon. Monsieur Romain. Hein? La nourriture est tellement bonne, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Je ne sais pas où. Achetez les riz, c'est bon. Romain, Romain. Mon aide vendeur. Hey. Tu as tout fini. Tu es là. Cette quantité de nourriture est pour combien? 2000. Si tu veux, vous pouvez... Allez, désolé. Comment Madame, tu peux vendre cette quantité à 200? Je suis votre client. C'est comme ça que tu fais le marché. Je vais juste ajouter un tout petit peu et on va arrêter pour nous. C'est bien. Ok. C'est Madame, bien. Je suis votre client. Bien dit. Client, oui, je sais. Que je serve comme ça. C'est à combien cette viande que tu as mis? 200 pour la viande de 50 naira. Oh, regarde les articles sont devenus très chers au marché haut. Oh. Même des choses qui étaient moins chères sont devenues très très chères. Romain, oui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hey. Mon amie là, hein? Elle m'a donné 50 000 naira. Il me l'a passé comme ça en cash. Tu peux le compter. Les cash. 5 000. Je t'ai dit. Beaucoup comme ça. Ah ah, c'est mon amie de l'école, non? D'ailleurs, elle a promis de faire plus que ça. Elle a promis de me donner un travail comme ça. On va arrêter avec ses business.
Ah, je me vois déjà dans ce bureau, devant l'ordinateur, en train de travailler. Je vais arrêter avec cette histoire. Pardon. Attends une minute. Elle t'a dit que tu devais acheter un truc ou quelque chose d'autre. Elle a fait par amitié. Vraiment? Je t'ai dit, gratuitement. Gratuitement comme ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis émerveillée. C'est un jour béni. Ferme la marchandise, vite. Tu sais ce qui s'était passé? Tu dois me remercier. C'est moi qui voulais emprunter cette route. Ni t'étais moi, on allait rater cette opportunité. Tu vois? Tu vois ce qui était arrivé? Dès aujourd'hui, toute voiture que je verrai en cours des routes, je vais chercher de tous les moyens possibles. Je vais les coincer, je vais les bousculer, je vais faire tout ce que je veux, toute voiture que je verrai. Seulement pour ça, regarde l'argent qu'on a reçu. On a 50 000 naira. Et si j'avais cassé une lampe ou cogné le capot, on aurait à avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça que tu finiras en prison. Je t'ai dit. On a eu de la chance parce que c'était Monsieur mon Romain. Ami. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne sais pas où on serait maintenant. On va te soulever, toi, ton pousse-pousse et la nourriture. Jusqu'en prison. Tu ne le sais pas, hein? Je ne suis pas content parce que les gens oublient mon nom. Monsieur Romain, oui, j'arrive. Ils doivent les retenir. Tu vois? Mon nom, ce n'est pas le nom des gens de Mumba, là, ici. Mon nom vient de loin. Très loin. Vraiment L'Empire loin. L'Empire romain. Dans la Bible, mon nom vient après le livre de Lévitique. Après Lévitique, c'est moi. Dépêche-toi et partons d'ici. Tu as raison. Patron, l'argent. C'est pour l'addition. J'en veux encore plus. Non, la nourriture n'est pas finie. L'argent. Désolé, non, hein. C'est pas tout pour cette nourriture. Désolé, hein? Oh. C'était trop bon. Patron, donnez-moi l'argent. Vous voulez qu'on ajoute encore? Hein? Vous pouvez vous rassasier, c'est tout un problème. Non. L'argent. Ouais. En tout cas, c'est très bon. Nemo. Oh, maman, ma sœur, bienvenue. Attends, ma sœur, bienvenue. Tu es revenue? Maman. Où est passé Romain? Romain est allé acheter le très bien. Pour la vente demain. On ira demain matin. Quitte-la. Maman, oh, vous devez commencer à bénir le Seigneur pour moi. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui n'est qu'un miracle. C'est seul Dieu qui peut le faire. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, tu sais que pendant que nous étions en train de nous démener avec Romain, comme d'habitude, nous avons soudainement, par erreur, cogné un très grand véhicule. Mon cœur m'a quitté sur le champ. Maman, je crois qu'on allait finir à la station de police. Oh. Et tu sais ce que Dieu a fait pendant que nous étions en train de la supplier? Madame, pardon, s'il vous plaît. Elle est du coup sortie de sa voiture. Maman, tu aurais dû voir sa peau. Sa peau était en train de briller comme dans un miroir. Je l'ai regardée et elle m'a regardée aussi. Elle a crié Angelina. Moi aussi, j'ai crié Joséphine. Nous nous sommes embrassés. Maman, c'était mon ancienne collègue de secondaire. Maman, c'est ça la fin de l'histoire. Oh. Elle m'a fait un cash de 50 000 naira. Maman, c'est ça la somme qu'elle m'a remise. Oh mon Dieu! Maman, c'est ça le billet en question. Oh. Tu peux le palper. Oh, c'est pas vrai. Ah. C'est pas vrai, mon Dieu. Regarde. Dieu! Maman, ça ne peut qu'être Dieu. J'ai béni cette personne. Amen. Que Dieu le lui rende au centuple. Amen. Timo. Donc pendant cette crise, il y a des gens qui peuvent donner aux autres 50 000 livres. Bien sûr que juste oui, comme maman. Ça. Elle est sortie sans problème. Laisse-moi d'abord compter. Pas besoin de le compter, je l'ai déjà fait. As-tu vu ça? As-tu vu ce que Dieu a fait à ta sœur? Oh Seigneur, ma prière. Ça marche avec feu, tu oh maman. Mes prières. Tu vas intensifier la prière. Je ferai ma fille. Seigneur, je vais continuer à prier tout le jour, ma fille, jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans nos vies. Ma Dieu sœur. Qui est comme toi. Tu dois payer ta dîme. Comment tu dois payer, oh. Tu deviens pasteur ou quoi? Imagine. Maman a dit qu'elle était en train de prier pour toi. Alors, donne-la ta dîme. Donne. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Maman sait elle-même comment elle va faire le dispatching. Je sais, ma fille, je sais. Katie. Ouvre ces thermos, ces sœurs, le haut quoi que j'ai apporté pour maman. Ok. Tu m'as apporté. Ça, c'est trop. Oui, non, maman, je connais bien tes préférences. Ok. Non, pas là-bas, regarde dans le petit thermos. Maman, ça est là. Ma fille, chérie. Merci beaucoup. Néo, maman. Hey, j'ai été ma sœur, tu es le seul, moi, je t'ai aidé. Je devais, maman.
Dieu va te bénir. Amen, maman. Dieu va te bénir. Mais c'est chargé derrière la maison. Je me sens tellement exténuée. T'inquiète pas, je vais garder le bar pour maman, toi. Maman, laissez-moi tranquille, okay? S'il vous plaît. C'est okay. Comme ça que tu finis tout ce que j'achète pour maman à manger. Regarde-la. Tu ne grandis pas. C'est ma petite fille. Si je ne le fais pas, qui le fera? Elle doit grandir, maman. Tu elle es ne recule pas en âge. Et c'est ta petite sœur. C'est la nourriture qui a toujours été sa préoccupation. Ike, viens. Viens qu'on partage. Andy, bienvenue, ma fille. Pas mal, oh. Comment évoluent les choses? Nous bénissons le Seigneur, oh. Petit à petit, ça va. Ok, c'est bien. Maman, j'ai pensé à toi. C'est comme ça que je voulais passer. Et particulièrement. Pour te remettre ces petits riens. Maman des mamans. Maman, hein, essaie juste de gérer cette petite somme. 15 000 naira. Achète tout ce dont tu as besoin. Angelina. Oui, oh. Hey, tout cet argent pour moi. Maman. Oh, ma fille. Ça, ce n'est que le commencement. Chai. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Ton business ne fera que s'accroître. Amen. Il tout sait. Ira bien avec toi, on est. Tu me vois longtemps. Il sait. Maman, hein? Où est Romanus? Romanus était sorti. Il était sorti. Ah. Oh, regarde-le. Quand on parle de lui, on voit sa queue. Romanus, viens voir ce que ta femme en devenir m'a donné. Hey, merci. Regarde ce qu'elle m'a donné. Romain, regarde ma part. Oh. Hein? Est-ce que tu veux faire? Laisse-moi lui allez, demander, arrête, non? Je veux déjà faire son argent. Tu veux les ce toucher pas pour toi. N'est-ce pas que tu as ta part, toi aussi? Hein? En tout cas, de rien. Que Dieu te bénisse. Tu sais, je t'inquiète. Où étais-tu parti? J'étais chez vous. Oui. Je suis resté, j'ai attendu jusqu'à ce que ta mère entre dans la cuisine et me donne à manger. J'ai mangé les foufous. J'ai mangé tout ce qu'on m'a apporté. Waouh! Ça, ma mère. Tu as senti l'odeur. Mais quoi donc, c'est la famille. Désolée, je voulais juste venir voir maman. Spécialement. Je sais, tu es venue me surprendre. Je crois que je vais vous laisser discuter pendant que moi je serai en train de faire quelque chose à l'intérieur. Merci, maman. Oh. C'est ma mère. C'est ma mère. Elle connaît WhatsApp. Des fois, elle exagère un peu. Avec ses démarches bizarres. Elle comprend que notre amour ne fait que s'enflammer. Elle ne veut pas que cela soit éteint. Imagine. Je savais. Tu me manques beaucoup. Tu me manques le plus, Romanus. Romain, te rappelles-tu de la fille qu'on a rencontrée hier? Celle qu'on avait effleuré sa voiture. Oui, c'est elle. Je vais aller la voir demain. Demain, nous ne ferons pas la vente. Ah, mais nos clients vont manquer notre nourriture. Ah, Roman, qui les manque seulement. Hein? Permettons à cette fille de changer notre vie. On ne doit plus continuer avec ce business. Ça nous casse la tête comme pas possible. Nous ferons le marché le lendemain. Il y a tu pas as de raison. Souci. Tu as raison. Tu sais combien j'aime préparer. Je vais juste préparer demain. Aller au marché et acheter quelque chose à préparer. Romantique. Romanus. Tu ne cesses de vraiment. Me tenir. Angelina. Sens-toi à l'aise. Tout ça, c'est ta maison? Tu restes seule dans cette maison? Oui. Tu sais pourquoi j'ai apporté ces deux roulets? Au cas où tu n'es pas d'accord avec ce que tu consommes, tu peux prendre l'autre. Hé, non, ça va. Es-tu non, ne te dérange pas, ça va. Joséphine, dis-moi, où est-ce que tu as trouvé l'argent pour te construire une telle maison? Mais ça, c'est un château. Dis-moi, j'ai des connexions. Qu'est-ce qui c'est? Oh non, c'est juste que je suis préoccupée. Je veux savoir, c'est quel genre de business que tu fais pour avoir cet argent? Bien, Angelina, j'ai des contacts. Des relations seulement. Et c'est tout.
Ok, pas de problème. Hein. Vraiment. Mon ami, passe-moi le code. Dis-moi, c'est quel genre de connexion? Je veux aussi commencer à m'habiller comme toi. Hein? Regarde comment je suis en polo. Ah. Je veux être aussi fraîche comme toi, mon ami. Allez, tu es très drôle. Je ferai en sorte que tu puisses avoir ce genre de connexion. Ok? Et cela va changer toute ta vie. Tu sais que tu es ma meilleure amie depuis que nous étions à l'école. Et je ne peux pas oublier cela. Oui. C'est vrai. C'est une personne dans toute la terre qui a besoin de cette connexion. Moi, je suis le numéro 1. Je comprends. Je suis fatiguée de cette misérable vie, mon ami. J'en ai marre. Aide-moi, oh, s'il te plaît. Aide-moi. Regarde-toi. Connecte-moi, ma chérie. Je te serai reconnaissante. C'est bon. Relax. Après tout, c'est pour cette raison que je t'avais demandé de venir me voir. Je vais te présenter à quelqu'un, je vais dire mon pasteur. Une femme en qui je suis très reconnaissante. Hein? Une fois que tu verras cette femme, et une fois qu'elle va te connecter, ma chère amie, ta vie va totalement changer. Amen, non. Je me vois déjà chez ton pasteur. Je vais y aller. Je dois la voir, oh. Je dois voir ton pasteur. Elle doit me bénir, t'inquiète moi aussi. T'inquiète pas. J'en ai besoin. Ça va aller. Crois-moi, ça va aller. Oui. Tu es en train d'admirer cette maison. Alors, et que diras-tu si jamais je t'invite à visiter ma maison en ville? Je ne parle même pas de celle que j'ai à Abuja et à Port-Harcourt. Joséphine, que vas-tu faire? Joséphine! Ah ah! Tu es maintenant une grande patronne. Oh. Tu en as encore d'autres? Ah ah! Ta maison est comme les cieux sur la terre. Oh. Je ne sais pas à quoi ressembleraient les 2 ou les 3 qui restent. C'est bon. T'inquiète, très bientôt. Toi aussi, tu seras comme moi, ok? J'en ai hâte. C'est bon. Je veux aussi profiter de la vie comme toi et vivre comme il faut. Ça va arriver. Ça va arriver. Merci pour la visite de ton palais. T'es drôle. Tu peux le dire à nouveau. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Si je t'ai compris correctement, tu as dit que c'est ton ami, c'est ça? Et tu veux que je la connecte de la même façon que j'étais connectée, c'est ça? Oh oui. Tu vois, celle-là n'est pas seulement une amie. Angelina est comme une sœur pour moi, depuis que nous étions élèves. Ça m'a brisé le cœur de voir que mon amie est en train de souffrir de cette façon. S'il te plaît, maman, aide-moi et connecte-la. Ok, ma fille. Matthieu 19, verset 26. Rien n'est impossible. À Dieu. C'est comment encore son nom? Angelina. Angelina. Pasteur, amène l'eau de la rivière de ton village. Ok. Amène-moi aussi les sables de votre parcelle. C'est tout ce dont j'ai besoin. Après quoi, je serai en prière. Je prierai pour te connecter à la richesse. Merci. Je te suis reconnaissante. Merci. Y a-t-il une autre chose que tu voudras qu'elle apporte? Non. C'est tout ce que Dieu a donné comme instruction pour cette prière. Au fait, je voulais savoir comment est-ce que je peux procéder pour avoir tout ceci. Tu as assez souffert. Moi, à ta place, je ne traînerai pas pour amener ces choses. Je ferai très vite pour initier le processus spirituel. Ok. Je ferai un effort d'amener tout ceci demain. Prions. Go, ja! Maman. Ah, ah, tu es en train de dormir. Je suis là. Eh oh, ma sœur. Maman. Tu es la bienvenue. Mais, tu es revenue? Non. Je suis de retour. Oh. Bonsoir, maman. Maman, bénis Dieu pour moi. Oh. Bénis Dieu pour avoir amené Joséphine sur mon chemin, sur notre chemin. Maman, elle est une bénédiction pour nous. Maman, elle m'a rajouté 15 000 naira. Un autre argent? Encore une autre somme, vous pensez que je plaisante? Attendez, vous allez voir. Attendez. C'est ça.
Oui. Les gens l'envient tellement, mais elle s'est quand même portée volontiers à nous booster aussi. Donc, c'est ça. C'est ça le plus important et je suis sûre que nous allons nous retrouver nous aussi. Ma sœur, quel genre de travail qu'elle fait? Elle évolue dans une vie de contrat, oui. C'est ça. Et elle a aussi des connexions à Abuja. Vous aurez dû voir comment elle est sollicitée au téléphone. On l'appelle à tout moment. Elle a de contrats signés partout. Hey. Maman, elle vit dans la surabondance. Elle dort sur l'argent. C'est ça. Hey. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Maman, oui. Tu vas utiliser cet argent pour Zuna. Paye son enrôlement et tout le frais connexe qui va avec. Eh oh, Angelina, ma fille. Dieu est vraiment en train de t'utiliser pour essuyer mes larmes. Dieu va te bénir, ma chérie. C'est... Quand votre père était mort et que j'avais connu cet accident, j'ai pensé que tout espoir était perdu. Mais nous voilà. Dieu m'a prouvé qu'il est réellement Dieu. Maman, arrête de te lamenter. Ces choses font partie du passé maintenant. Bénis le Seigneur, il nous prend en charge et s'assure que notre table ne manque pas de la nourriture. Ma sœur, peut-être que tu peux me donner juste 10 millions de naira. Je sais garder ça pour l'enrôlement de Samus. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? Hein? Tu veux qu'on te donne une partie de cet argent qu'on veut utiliser pour l'enrôlement de Zuma? Pour des choses inutiles. Oh, ma fille, maman. Calme-toi. Sois posée. Relaxe. De quel 10 000 parles-tu? Maman, où est-ce qu'on vole un médicament de 50 000 naira? Ah, maman, donne-moi seulement 10 000 naira. Ah, goût. Maman. Tu vois cet argent? Maman, où est l'argent? Qu'est-ce que je ne vois même pas ça. T'inquiète pas de l'endroit où l'argent s'est fait. Cet argent est pour Iso, maman. Il ira payer à l'école pour ses examens. 50 000 naira juste pour le médicament. Ne cherche pas à savoir où se trouve l'argent. Angeli. Maman. S'il te plaît, viens me faire rentrer à la maison avant que quelqu'un ne vienne me braquer. Maman, ta propre fille, que tu dis ça? Maman, ta propre fille. Ça, c'est quoi? Une arme? Si quelqu'un l'utilise pour voler, n'est-ce pas? Le braquage? Ce n'est pas possible. Maman, Non, laisse-moi entrer, maman. Arrête de me faire rire. Viens déposer le seau par ici. J'ai pas envie que tu te connaisses quand je vais garder mon argent, s'il te plaît. Vas-y, reste. Juste moins 10 000 naira que tu dis ça. 10 000, rien que pour les épices. Si je te donne 10 000 pour les épices, alors qu'est-ce que je vais utiliser pour préparer? Passe-moi ce que je t'ai demandé d'amener. Un instant, j'arrive. Mon ami, où est-ce qu'elle va? Très bientôt, je serai riche. Je serai riche. Je vais être fortunée. Je me presse de devenir riche. Je me presse. Je vais acheter des motos et des vélos. Je vais renvoyer mon petit frère à l'école. Et pour ma mère, je vais l'amener à un très grand hôpital. Je vais la faire voyager pour un traitement adéquat. Tu sais, je vais démolir la maison de mon père pour construire une autre. Bien avant ça, j'amènerai ma mère, mes frères et sœurs dans un hôtel de 5 étoiles. Nous serons en relax. L'argent parle. Ah, je m'imagine déjà comment ça sera. Oh, elle est là. Angelina, utilise cette eau pour te débarbouiller et te laver le main. Aussitôt que tu te laves le main avec cette eau,
Tu dois savoir que ta destinée est entre tes mains. Ok. La richesse te poursuivra partout. Tu peux l'utiliser. Oui, bien sûr. Oh, oui. Mais... plus je lave le visage, plus j'aurai l'argent. Je dois encore laver le visage. Oui. Ça ira. Ah ah. Je dois encore le laver. C'est fait. J'ai hâte de passer à l'action. Sois contente pour moi. Ah ah. Tu sais... Angelina, tout ce qui brille dans ce monde n'est pas de l'or. Que veux-tu dire? Tu parles en parabole, je ne comprends rien. Tu me seras toujours reconnaissante pour t'avoir montré le chemin. À la place de te donner les poissons, j'ai décidé de te conduire à la rivière et t'apprendre à pêcher pour ton bien. Bien sûr que je suis reconnaissante. Je le suis. Angelina, l'argent devient ton ami maintenant. Tu seras très riche. Merci. Mais aucun membre de ta famille ne va en profiter. Deuxièmement, tu vas épouser un homme pour qui tu n'as pas de sentiments. C'est ainsi que l'argent va commencer à courir derrière toi. De quoi parlez-vous? En quoi cet argent me sera utile? Si ma mère et toute ma famille ne peuvent pas en profiter... Je suis arrivée jusqu'ici à cause d'eux. Au fait, je ne suis plus intéressée. Jette l'éponge. Ah ah! C'est quoi ça? Ça devient trop tard, ma chère. Tu es déjà un membre. Nous allons utiliser la destinée de toute ta communauté pour ta richesse. Toute ta communauté va commencer à t'adorer comme leur sauveur. Pourquoi ils doivent m'adorer? Suis-je une déesse? Hein? Hé! C'est quoi tout ceci? Tu es maintenant membre de club de sœur Mamadou. Quand on est dedans, on ne recule plus. Faire un pas en arrière, c'est la mort. Tu ne m'as jamais dit que c'était un club de sœurs. Comment voulais-tu que je puisse t'en parler? Hey! Tout ce que je fais, c'est aider une sœur qui était dans la souffrance. Je t'ai dit que je ne voulais pas être impliquée dans un club quelconque. C'est donc de ça qu'il s'agit. J'ai cru que c'était l'un des... Oublie tout ce que je t'ai raconté. Tout ce que j'ai fait, c'est aider une sœur qui était dans le besoin. Tu devais être reconnaissante pour ça. Je ne suis plus intéressée. Je ne suis plus partante. Je ne suis plus intéressée. Je n'en veux plus. Joséphine. Tu peux partir maintenant. Joséphine. Pourquoi? Sois bénie pour avoir un niveau d'effectif. N'importe quoi, laisse-moi tranquille. Joséphine. 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 Angelina, tu m'as fait sentir coupable et pourtant tout ce que je fais, c'était pour ton bien. Joséphine. Tu aurais dû me dire la vérité. Tu aurais dû me dire que tu étais une ritualiste à la place de me mentir. Joséphine, à quoi me servirait toute cette fortune si je ne suis pas en mesure de prendre soin de mes soeurs et frères et ma pauvre mère Joséphine? Pourquoi tu pouvais me faire ça, Joséphine? Pourquoi? Pourquoi? C'est bon. Je comprends ce que tu ressens. Ne dis pas ça, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien du tout. Puisque si tu me comprenais, tu ne m'amènerais pas dans cette histoire sournoise, Joséphine. Tu ne me comprends pas, non. C'est méchant. Joséphine, pourquoi? Veux-tu te calmer? C'est fini. Veux-tu te calmer? Avec les temps, tu vas t'habituer avec tout ça. Juste relax. Ok? Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu m'as donné tout cet argent. C'était pour me persuader à aller voir ta mère ritualiste, Joséphine. Je n'ai jamais su que tu étais aussi sans cœur et très méchante, Joséphine. Je t'en prie, calme-toi, détends-toi. Je sais parfaitement ce que tu ressens, mais beaucoup de personnes
cherche ce genre de connexion. Quelle stupide et sanguinaire connexion dont tu parles. C'est parce que son sang-cœur est méchant comme toi. Joséphine, tu as fendu ton âme. Tu as fendu ton âme au diable, Joséphine. Tu es sans cœur, tu n'as plus une conscience. J'ai maudit les jours où je t'ai rencontré. J'ai maudit les jours où je t'ai rencontré. Tu maudis les jours que je t'ai rencontré. C'est ce que tu viens de dire, c'est ça? Après tout ce que je fais pour toi, très bientôt, avec cette même bouche, tu diras que Joséphine, je suis très reconnaissante pour ce que tu as fait pour moi. Tu parles comme si je n'ai pas de famille. N'écris pas sur moi, n'ose pas crier sur moi. Tu n'as pas de famille. Laisse-moi tranquille. Avec vraiment? Cette méchanceté, rien de bon ne sortira de toi. Sérieux? Joséphine, d'accord. Pourquoi tu as choisi de me détruire? D'accord. Joséphine, pourquoi? Angelina, écoute, j'ai aussi une famille. Mais tu sais quoi? Je ne leur donne même pas un centime, ok? Ce n'est que de la méchanceté, Joséphine. C'est de la pure méchanceté, comment tu peux dire ça? Qu'en est-il de ma famille? Qu'en est-il de ma famille? Relax. Tout ce qui est important dans la vie, c'est la richesse. Ok? Oublie à propos de la famille, ça va aller. Je comprends ce que tu ressens. Juste calme-toi. Avec le temps, tu vas tout oublier. Ça va aller, ma chère. N'ose pas me toucher, n'ose pas le faire avec tes sales mains remplies de sang. Je souhaite ramener les temps en arrière pour te retourner ton argent sale que tu m'as donné, Joséphine. Non. Oh, doucement, doucement. Tu sais que ça fait très mal. Maman. Le maître, maman, il m'a dit que je devrais aller à l'atelier pour voir si s'il pourrait y avoir quelque chose. Ta professeure est là. Va rapidement lui montrer où se trouve sa nourriture. Elle ne va pas bien. Adan est bienvenue. Bienvenue, ma sœur. Mais sois la bienvenue. Ah ah. Hey. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui lui est arrivé? Je ne crois pas qu'elle soit heureuse. Peut-être que quelqu'un l'a provoquée. Je sais, elle ne se comporte pas comme ça. Ah ah. Ketchi. Va d'abord lui montrer où se trouve sa nourriture. Elle doit avoir faim. Peu importe le problème. J'y vais, oui, vas-y, donne-lui la nourriture d'abord. Et je te disais, maman, le maître a dit... Ma sœur, s'il te plaît, ouvre la porte. J'ai apporté ta nourriture. Ma sœur! Ma sœur! Peut-être que le propriétaire de la maison pourrait venir de Lagos. Ah. Il pourrait arriver ici cette semaine. Et qu'il va lui parler afin de savoir si... Maman, elle refuse d'ouvrir la porte. Ah. Elle est à l'intérieur en train de m'écouter. Mais j'ai toqué à la porte. Mm-mm. Elle a refusé. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais quel peut être ce problème? Tu es ok, mon maman, garçon, s'il te plaît. C'est bon, laisse, je m'en occupe. Va m'appeler ta sœur. Tu es sûre de ce que tu dis? Je suis sûre. Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Hey. Hey, attendons ce que mon frère va nous dire. Hey, Angela, ma chérie. Serait-il te plaît, ouvre la porte. Tout ça est vraiment très étrange. Je n'ai pas cessé de l'appeler, mais elle n'a même pas voulu me répondre. D'ailleurs, quel est ce nom que je n'ai pas utilisé pour l'appeler? Je l'ai même appelé Adane. Adana. Adanatu Kwanu. Ado Ibo. Ada Beke. Normalement, quand je l'appelle par ces noms, elle devrait me répondre. Mais cette fois, elle a refusé. Je l'ai même entendu pleurer. Hein? Oui. Pleurer? Pleurer? Ah ah! Pourquoi elle doit se mettre à pleurer? Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a irritée, là d'où elle provient. Hey. Hey. Elle m'avait dit qu'elle partait voir son ami. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, maman. Oh, Romain. Je vous trouve un peu inquiet. J'espère que tout va bien. Romain, il n'y a aucun problème. C'est juste que depuis qu'Angeline est revenue, elle refuse de manger et de parler à qui que ce soit. D'ailleurs, elle s'est enfermée dans la maison. Ma Angelina,
Elle ne veut parler à personne, oh. Je l'ai appelée moi, et même que tu l'as fait, toujours rien. Romain, peux-tu aller voir ce qui se passe? S'il te plaît. Hey. Maman, calme-toi, ok? Tout ira très bien, je vais la voir. Hein? Laisse-moi merci, la voir. Merci, mon vieux. André. Hey! Maman, ce n'est tu rien ne de dois sérieux, pas t'inquiéter okay? Pour ça, ce n'est que de son maître, oh, son humeur, ok? Hey. Son humeur a changé. Maintenant. Pourquoi serait-elle de mauvaise humeur? Pourquoi doit-elle changer d'humeur? Maman, c'est bon, hein? Maman, c'est bon. Calme-toi, s'il te plaît. Ne pleure pas. Angélie? Adané. Angélie, ma fille. Pourquoi pleures-tu, dis-moi? Adané, est-ce que ça va, hein? Ma fille, qu'est-ce qui se passe, hein? Adané, réponds-nous. Maman, ne pleure pas. Alors, pourquoi tu pleures? Tout va bien se passer. Adané, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de pleurer. Ah ah! Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi, y a-t-il quelqu'un qui t'a fait du mal? Romano, s'il te plaît, je t'en prie, calme-toi. On ne peut quand même pas en arriver là. Hein? Découvrons d'abord ce qui ne va pas avec elle. Parle-moi, je suis là. Hey, qu'est-ce qui t'a mis dans cette maman, s'il te plaît, arrête de pleurer, hein, maman. Arrête de pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait juste dit qu'elle partait voir une amie. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Non, tu me fais du mal. Maman, Adané. C'est bon. Hein? Oh, Adané, maman est là, non? Arrête c'est bon, pleurer. Mais comment tu veux que tu sentes si tu pleures? Hein? Qui a-t-il? Hey, ça va, je ça va. Arrête de pleurer. Mais arrête de pleurer. Allez, Adana. Adana, s'il te plaît, parle-moi. Dis-moi. Adané. Angélina, je t'ai promis que tu allais nager définitivement dans les billets des banques. Ton temps d'abandon s'est arrivé. Prends l'argent qui est dans le sac, utilise-les pour tes besoins. N'oublie pas nos clauses. Si tu veux réellement jouir de cet argent, sinon ça sera le pire pour toi. Maman! C'est comme ça que ça s'est passé. Adam! Maman! Où est-ce que tu vas? Je vais aller voir quelqu'un. Avec un sac? Tu n'es pas allé au marché, ça fait déjà des jours. Oh. Ne penses-tu pas que tu vas perdre des clients comme ça? Tu dis ok. Est-ce que c'est important? J'en ai marre de ce business. Je dois passer à autre chose, s'il te plaît. As-tu entendu? Angela, que veux-tu dire? Comment peux-tu abandonner le business juste comme ça? Angela, comment veux-tu qu'on survive? Tu sais que c'est notre seule source de revenus, ma fille. S'il te plaît, qu'est-ce que tu essaies de faire? Maman, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'en ai marre. Je ne veux plus de ça. Quelle porte? Mais c'est quelle porte Angelina? Encore, ça? Angelina! Adané! 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 Ah, maman, tu as entendu cela? Hé, hey, où? Oh. Hé, hey, hé, hey. Tu es ok. Ah. Tu es ok. Quelque chose ne va pas. Pour être honnête, il y a quelque chose avec ta sœur. Ces derniers temps, elle a complètement changé. Comment peut-elle abandonner une activité aussi lucrative comme celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Sérieusement, tout ça me fatigue, maman. Je ne sais même pas comment régler cette situation. Ah. C'est très difficile. Une autre porte. Quelle porte? Hein? Mon cher. Ouais? Je vais la voir, hein.
J'ai quelque chose de très important à discuter avec elle. Non, non, elle n'est pas ici. Elle est sortie depuis le matin. Ah, ah. Ce matin. Mm-hmm. Elle ne t'a rien dit là où elle est. Elle est partie. Non, 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 non. Même son numéro est éteint. Son numéro n'y passe pas. Mm-hmm. Mais Angela, c'est quelle sorte de vie que tu es en train de vivre? Romain, je dois vraiment me dépêcher, hein. Il y a un contrat que je suis en train de poursuivre. J'aimerais vraiment pas le rater. Tu peux rester et l'attendre, hein. Moi, je dois me dépêcher. Je vais attendre jusqu'à ce que tu poursuives tes contacts. Mais c'est quoi ça? Hein? Romanos. Romanos, fais manger ta nourriture. Tu vas te donner la mort à cause d'Angelina. Hein? Romanos, il y a beaucoup de filles de notre communauté que tu peux prendre en mariage. Tu risques de mourir à cause d'elle. Hein? C'est à toi que je m'adresse, Romanos. Maman, je ne crois pas que c'est toi qui as dit ça. Dis-moi, comment je vais manger? Je n'ai même pas l'appétit comme je suis là. Hein? Comment est-ce que je vais manger? Je ne sais même pas où elle se trouve. Je ne sais même pas si elle est vivante ou il y a quelque chose qui lui est arrivé. Elle a juste disparu. Ce n'est pas l'Angela que je connaissais. Je ne crois pas qu'Angela a décidé de ne pas me voir ni d'entendre ma voix. Je n'arrive pas à y croire. Maman, regarde ça. Je ne sais même pas si elle va bien ou il y a quelque chose qui lui est arrivé. Je ne sais même pas où elle est. Je n'ai aucune idée même de là où je peux commencer. Et tu me demandes de venir manger. C'est d'ailleurs quel genre de nourriture ça? Romanos, Angelina n'est pas un bébé. Si elle veut de toi, elle te reviendra. Crois ta mère. Oh? Elle n'est pas un bébé. C'est ce que tu dis? Tu es en train de me dire que Angelina n'est pas un bébé. Bien sûr qu'elle n'est pas. Maman, c'est mon bébé. Hein? Elle compte beaucoup pour moi. Elle est tout mon cœur. Maman, tu n'arrives toujours pas à comprendre. Je sais pourquoi tu as dit toutes ces choses-là. C'est parce que tu n'as jamais été amoureuse. Si seulement tu as déjà goûté à l'amour. Le vrai amour. Goûter même un tout petit peu pour sentir à quoi ressemble l'amour. Tu n'allais pas dire ce que tu es en train de dire. Je comprends pourquoi mon père est parti. Parce que si tu comprenais vraiment ce que c'est l'amour, si vraiment tu comprenais ce que c'est l'amour, tu allais comprendre ce que je ressens en ce moment. Romanos, qui dit que je n'ai jamais expérimenté l'amour? À notre époque, hein, ce n'était pas comme ça. D'ailleurs, les nôtres étaient mieux par rapport à ce que vous appelez aujourd'hui amour. Ne te moque pas de ton père, il a donné le meilleur de lui à son temps. Comment peux-tu comparer l'amour, l'ancien amour et l'amour moderne? Maman, as-tu oublié où tu as eu mon nom? De loin. De loin. En fait, tu sais quoi? Va manger. Je vois que tu as tellement faim. C'est pour cela que tu me dis ça. Va manger. Romanos, l'amour à notre époque était meilleur que le vôtre. Maman. La preuve est là. Te voilà en train de souffrir à cause de cet amour que tu appelles moderne. Depuis que moi j'ai commencé avec ton père, je ne l'ai jamais vu dans cet état. À cause de moi. Romanos, bicomo, oublie l'amour d'Angelina. Ah! Ah! N'essaye plus jamais de me dire cela. Quel amour? Oui, je deviens fou. Maman, ça ne va pas. Pourquoi tu dis ça? Hein? Comment est-ce que ça peut sortir de ta bouche? Que je laisse Angelina? L'amour de ma... Je te respecte parce que tu es ma mère. S'il te plaît. Ça suffit, oh.
je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici. Il y a déjà 3 jours que vous n'avez pas vu Angelina. Et c'est maintenant que vous venez me le dire. Hey! Pourquoi? Mais pourquoi faites-vous ça? Naejina, je suis très inquiète. Nous connaissons très bien Angelina. Elle ne sort pas hormis pour son business. Et encore moins dire qu'elle a fait 3 jours dehors. Hein? Nous devions être sûrs. Nous devions d'abord être sûrs avant de se plaindre à qui que ce soit. C'est bien. Je pense que nous devons aller déjà à la police et faire une déposition. Est-ce que ça en est arrivé jusque-là, oncle? Oh oui, ça arrive à ce point-là. Ça fait maintenant 4 jours, 4 bons jours, qu'on n'a pas entendu ou vu votre sœur, hein, ou avoir de ses nouvelles. N'ayez pitié, mettez-vous déjà en chemin. J'espère que rien n'est arrivé à ma fille. Je vous en prie. Je ne sais où la trouver. C'est bien, tu jokes. On y va. Allons-y. Bon, oui. On y va. Je vous en prie, mettez vos enfants. Maman, partez. Je reviens, hein. Allez. Je t'en prie, mon fils. Écris bien son ça nom. Ça va aller, maman. Oui, s'ils ont besoin de photos, tu viendras rapidement la prendre. Ok. Ah, c'est quoi cette histoire? Ma fille. Papa. Nous avons fait une déposition pour elle à la police. Mais où est-ce qu'il est parti, non? Personne n'a aucune idée. Papa, tu t'attendais à une visite? Non. Qui ça peut être? Angelina. Oncle. Angelina. Oncle, mon oncle. Oncle, bonjour. Oui, ma fille, dis-moi, est-ce que c'est toi que je vois là? Oh, bien sûr que c'est moi. Grande sœur, bienvenue. Merci. Apporte une chaise. Vite. Comment tu vas? Vite. Grande sœur, bienvenue. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Mais viens, prends-moi tout ça. Il faut que je le dise encore. Tu sais très bien qu'elle ne mangera pas ça. Alors, enlève ça. Oncle. Comment tu vas, oncle? Nous allons bien. Je peux le voir. Nous allons bien. Mm-hmm. Ah, c'est vraiment toi, là. Ah, oncle, c'est bien moi, en chair et en os. Hey. Je me rappelle. Ta mère, ton frère et ta sœur étaient vraiment inquiets. Ils sont inquiets. S'il te plaît, il faut les voir. Oncle, pourquoi doivent se déranger? Je ne suis plus une petite enfant. Je suis assez âgée pour prendre soin de moi-même. Je sais. Je ne peux plus rester dans la maison de mon père avec ces nouveaux statuts que je me suis donné, non. Bien, c'était une décision pour moi de partir de la maison de mon père, tu sais. Pour l'instant, j'ai vu dans un hôtel. Oh oui, il est temps pour moi de faire construire ma nouvelle maison où je vais habiter. Attends, Angelina, non. Angelina, ne dis pas ce que tu viens de dire là, non. Mais pourquoi tu dis que tu vis dans un hôtel en quittant la maison de ton père? Oncle, tu sais, ça ce n'est plus l'Angelina que tu as connue. Mon statut a changé. Oui, oncle, je nage maintenant dans le billet d'argent, mais quoi donc? Oncle, je suis montée de niveau. La saison est bonne. Hey, Angie, donc la maison de ton père ne te convenait plus du tout. Oncle, laisse tomber. Au fait, je suis ici pour que tu me fasses une faveur. J'ai besoin d'une étendue assez large. Je vais initier le projet dans de mes châteaux
Ou encore d'un manoir si tu veux. Un autre. Oui. Il faut papa. D'accord. Je ferai seulement ça. Mais Angie, rappelle-toi d'aller voir ta mère, ton frère et ta sœur. Ils sont importants pour moi. Oncle, s'il te plaît, trouve pour moi ce que je t'ai demandé, ok? Oublions-les pour l'instant. Parlons de nous qui sommes ici, oncle. Oncle, sois apaisé. Laisse-moi respirer un peu. Oncle, relax. Ta mère est importante pour moi. Mon frère et ta soeur sont importants pour moi. Sois apaisé. Il faut prendre soin d'eux. Ne te donne pas de stress, oh. Sois calme. Mets-toi là. Oncle, ne te dérange pas. Il faut amener quelque chose d'abord pour ta soeur. Ok, papa. Fais vite, fais vite. Ça va, sois calme. Je venais de quelque part et puis je me suis dit de passer un peu pour te voir et te parler de mon projet de construction. Tu as dit que tu n'étais pas là où que tu es parti? Oh mon Dieu. J'ai pris pour qu'Angelina revienne. Maman? Eh oh, au revoir. Bonjour, maman. Comment vous allez? Je vais bien. Je crois que tout va bien. Ça va, mon garçon. Est-elle rentrée? Romain, nous ne l'avons pas vue. Et encore moins eu de ses nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais là il n'y a pas longtemps et on me dit toujours la même chose. Où est-elle partie? Hein? Romanus, tu me connais très bien. Hein? Si j'avais ne serait-ce qu'une nouvelle à propos d'elle, j'allais te le dire. Pourquoi je te les cacherais, dis-moi? Hein? Pour quelle raison je te cacherais une telle information, Romanus? Tu veux dire qu'elle s'est enfuie de ce village où elle a croisé un autre homme pour l'épouser? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Maman est... Lorsqu'elle a quitté cette maison, elle n'a rien dit d'où est-ce qu'elle partait. Hey, Romanus, tu me connais très bien. Combien de fois vais-je répondre à cette question? Tout ce qu'elle a dit est qu'elle partait voir une amie. C'est tout. C'est tout ce qu'elle avait dit. Hein? Je ne sais pas. Son amie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Oui. Il y a quelque chose que les gens ne veulent pas me dire. Soit ils refusent de me dire quelque chose, ou bien quelque chose ne va vraiment pas. Mais je vais la trouver. Romain? Je vais la trouver. Hein? Oui. Romain, viens. Romain? Romanus? Maman? Hey, viens. Je suis parti au... Maman, ne t'inquiète pas. Il va comprendre après. Ezyuna, que veux-tu que je fasse? Hein? J'ai dit tout ce que je savais. Je lui ai dit rien que la vérité. Elle va rentrer à la maison, maman. Hey! Un jour... Angelina... Maman, arrête de pleurer. Un jour... Oh, ma fille, où es-tu? Où es-tu partie? Pourquoi tu fais ça? Maman, elle va rentrer. Pourquoi tu ne fais ça? Oh... Tu ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi se décidera-t-elle d'aller s'installer dans un hôtel et pourtant la maison de son père est là? C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Il fallait voir la voiture qu'elle avait. Une grosse voiture. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi est-elle venue vous voir, vous, mais a refusé de venir nous voir, nous? Ne lui avez-vous pas parlé du tourment que sa disparition a causé à ma famille? Je le fais. Je lui ai tout dit. Et elle a refusé? Elle a promis de passer et vous voir. Mais quand? Quand va-t-elle venir? Je ne sais pas. Oh. A-t-elle dit que nous lui avons fait du mal d'une quelconque façon? Je veux dire qu'elle s'exprime pour qu'on lui demande pardon. J'allais même oublier. Elle m'a dit... de trouver une terre où elle va construire une villa. Oh, c'est une bonne nouvelle. Donc, cela veut dire que l'ami qu'elle était allée rendre visite lui a donné des contacts
tel qu'elle l'avait promis. Donc c'est pour ça qu'elle refuse de rentrer à la maison. Oncle, connaissez-vous le nom de l'hôtel où elle réside? Non, elle ne m'a pas dit cela. Hey! Ma fille Angéline a changé. Obina, attends-toi mon garçon. Elle finira toujours par venir. Romanus, qu'est-ce qu'il y a à dormir? Hey, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Romanus, j'espère que tout va bien. Pourquoi tu dors? Romain? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dors comme ça, pourquoi en plein jour? Mon fils, je suis de retour. Hey, Romain, devine qui j'ai vu aujourd'hui. Sur mon chemin du marché. Maman, tu viens juste de me réveiller de mon sommeil et tu me demandes de deviner. Je suis un sorcier. Romanus, je sais que tu n'es pas un sorcier. Je veux juste que tu devines. Et en fait, pour le couper court, hein? J'ai vu Angelina. Hein? Bim, ton Angelina. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans sa Jeep quand je rentrais du marché. Mais pourquoi tu ris? Tu es juste en train de parler comme les femmes du village. Que tu l'as vu dans sa voiture. Sa voiture. Ce n'est plus amusant. Romanus, je ne te mens pas, je te dis vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Dans sa Jeep. J'étais choquée. Ah, comme tu mon frère maintenant. Romanus, bon après-midi. Oh, ça peut être son amie, celle que j'avais cogné sa voiture. Oui, je crois que c'est elle. Ma sœur n'est pas dans cette maison. Que ce soit son amie ou à elle-même. Les rumeurs disent que c'est sa propre Jeep. C'est bien. Ah, c'est bien. Tu sais quoi? Je crois que je dois aller la trouver moi-même. Je vais revenir bientôt. Mon frère Romanus, ma sœur n'est pas dans cette maison. Elle n'est pas ici. Oh, Angelina, avec sa Jeep. Bien sûr. Nous aurons tout vu dans ce monde. Mon frère Romanus, comment bon après-midi. S'il te plaît, aide-moi à appeler ta sœur, je vais lui parler. Ma sœur, elle n'est pas encore rentrée. Hein? Ma sœur n'est pas dans cette maison. Hey, le gens de ce village. Appelle-la, je vais lui parler. Ne me dis pas que ta sœur n'est pas là. Mon frère Romanus, ma sœur n'est pas dans cette maison. Elle n'est pas ici. Et tu es aussi sérieuse? Bien sûr. Comment peux-tu me dire que ta sœur n'est pas dans la maison? Ma maman vient de me dire il n'y a pas longtemps qu'elle l'a vue dans la voiture. Et je suis venue si tu me dis que ta sœur n'est pas dans la maison. Où est-ce qu'elle est? Elle a disparu? C'est quoi encore cette histoire? Entre dans la maison, tu appelles ta sœur. Mais pourquoi vous êtes toujours là à me dire que non, vous ne connaissez pas si elle est venue ou pas? Et là, vous commencez à me mentir. Oui, je l'ai dit. Mon esprit est en train de me dire que vous êtes en train de me mentir. Hein? C'est évident. Va me l'appeler, s'il te plaît. Mon frère Romanus, si je te mens, qu'est-ce que j'aurai? Ma sœur n'est pas dans cette maison. Depuis que ma sœur Angelina a quitté cette maison, elle n'est pas encore rentrée. Oui, elle n'est pas ici. Tu penses que tu es en train de parler à un homme fou? Rappelle-toi, tu es en train de parler à une grande personne. Tu ne parles pas à un bébé. Tu es en train de parler à un homme mature. Tu penses que je suis un bébé? Ou bien un enfant? Mon Dieu, oui. Ou un adolescent? Ou je ne sais pas quoi. Tu es en train de parler à une grande personne, non à un adolescent. Peux-tu compter les nombres de ma barbe? Hein? Essaye de compter, essaye. Comme tu le vois, c'est incontable. Je suis né il y a tellement longtemps. Il y a tellement longtemps que je suis sur cette terre. Et toi, tu me traites de cette façon? Non, tu ne peux pas.
Je suis tellement grand. Déjà comme toi, tu peux jouer avec moi. Entre ces mains de la maison et dis-lui que c'est moi. Pourquoi elle s'est enfuie? Mais pourquoi Angelina ne veut pas me voir? Angelina, mon seul amour, je l'aime beaucoup. Celle que j'ai tout sacrifié pour elle. Qui ne nous connaît pas dans ce village? Toutes les filles se sont développées et elles ont développé les ailes. Elles se sont envolées. Je suis là pour voir Angelina. Je dois la voir aujourd'hui. Oui, si je ne la vois pas aujourd'hui, tu sauras comment je m'appelle. Entre dans la maison et appelle-la. Appelle-la maintenant. Mon frère Manous, tu te trompes parce que ma sœur n'est pas dans cette maison. Hein? Le gars continue à dire qu'ils l'ont vue par-ci, ils l'ont vue par-là. Je suis vraiment confuse. Elle n'est pas dans cette maison. Elle essaie toutefois de t'éviter. Oui, elle nous évite aussi. Ah, l'enfant de Dieu. Ah. La femme de Telemundo. Hey. Te voilà maintenant. En train de me mentir, moi une grande personne comme ça. Je suis une grande personne, tu ne peux pas me mentir comme ça. Je crois que c'est un jeu. Tu veux savoir ma réaction, c'est ça? Elle doit sortir. Ah ah. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle sortira de la maison. Je n'irai nulle part. Je vais m'asseoir et attendre qu'elle sorte. Comment tu peux me dire ça? Si elle ne sort pas, je n'irai nulle part. Je vais l'attendre jusqu'à ce qu'elle sorte. Ah ah. Je vais m'asseoir ici et attendre qu'elle sorte. Je n'irai nulle part. Où? Je suis là. Mon frère Roman, tu dois me croire. Oh. Je m'appelle Roman. Demande à ma mère d'où est venu mon nom. Bien sûr que tu sais. De Rome, très loin. Mon nom, c'est pas un nom que tu peux entendre partout, partout. Ça vient de très loin. Mon nom vient juste après les livres de Lévitique. Et après, c'est moi. Mm. C'est là où mon nom est venu. C'est ça. Je te conseillerais de partir. Oh. Ma sœur Angelina n'est pas dans cette maison. Je vais rester. De travailler. T'inquiète pas, donne-moi le balai. On va balayer ensemble. T'inquiète je vais pas, te dire balayer. Je vais rester toujours mon frère, ici. Mon frère, s'il te plaît, ma sœur n'est pas ici. Hein? Va alors la chercher, va alors. Moi, je suis en train de travailler. Elle n'est pas ici. Là. Je suis là. Je ne pars nulle part. Je n'irai nulle part. Oh. Advienne que pourra. C'est que je veux que ma sœur achète une nouvelle voiture. Comment as-tu pu? Ça fait 2 semaines que personne ne savait là où tu t'es trouvé. Tu n'appelais pas, tu ne faisais pas signe de vie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Maman, désolée, je savais que vous alliez vous déranger, mais... En fait, j'étais occupée, mais bon, bénissez Dieu parce que je suis là maintenant. Mais Adané, quel que soit le problème, tu aurais dû nous appeler d'abord. Sais-tu que depuis que tu es partie, maman n'arrête pas de pleurer? Hein? Tu nous as tous inquiétés ici et ça, ce n'est pas bien, non? C'est pas bien ça. Oui, je sais. Désolée, je suis là maintenant. Ma sœur, ne te dérange pas, ok? Maman va comprendre. La meilleure des choses est que tu es déjà derrière toi. Regarde comment tu brilles. Ah, je n'y arrive plus. Donc, c'est la voiture là, elle est pour qui? C'est pour ton ami là. Oh non, c'est à ta sœur. Ta sœur l'a fait. Ah non, ma sœur est maintenant la propriétaire d'une voiture. Tu veux voiture. Dire que cette belle bagnole est à toi? Ah oui. Ketchy, s'il te plaît, pousse-moi vers cette voiture, j'ai tout à la bénir. D'accord, maman. Ça, c'est maman. Maman, je vais me tuer. Je ne saurais plus vivre comme ça. T'inquiète, mon fils, ça ira. Maman, je n'arrive pas. Maman, dis-moi, comment serait la vie sans Angela? Hein? Comment je vais vivre sans elle? J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour la rendre heureuse. Pourquoi les gens sont méchants? Toute personne de cette communauté, on m'a insulté. Je reçois des humiliations de partout. Oui, j'insiste, je vais la suivre jusqu'à la fin. Et maintenant, Angela est partie comme ça. Elle m'a quitté comme un jeu de football. Comment est-ce que je vais vivre sans elle? Comment est-ce que je vais faire face à cette communauté? Maman, en fait, je veux juste mourir. Je veux mourir et aller me reposer. Il faut que je me repose, que je meurs. Oh, Manos, tu ne mourras pas. Hein? Tu ne mourras pas. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Angela n'est pas la fin du monde. Maman, il n'y a aucun conseil que tu peux me donner encore. Rien qui vient prouver le contraire. Maman, n'essaie pas de fermer une porte et ouvrir une autre. Ne le fais pas pour moi. Je n'ai qu'une seule chérie et c'est Angela. C'est seulement elle que j'avais aimée. Je ne peux plus utiliser une autre porte. Jamais, jamais.
Je ne peux pas ouvrir encore l'autre porte. Je ne saurais pas ouvrir. Maman, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Si tu vas, je suis chez elle. Si tu vois leur mère, s'il te plaît, plaide pour moi, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman, aide-moi. Maman, aide-moi, s'il te plaît. Elle est tout ce que j'ai dans cette vie. Je veux me tuer. Allez, Romanus, c'est bon, ok. Ça suffit. Maman, tu veux dire que ma grande sœur ne t'a rien donné? Ah, qu'as-tu la vie de toi-même? Après tout ce que je lui ai raconté sur comment nous souffrons pour trouver de quoi manger, elle n'a même pas manifesté une quelconque regret. Ah ah. Elle n'a même pas cherché à savoir. Maman, cette chose n'est pas normale. Ah. Hein? Parce que quand elle est venue, elle ne nous a rien apporté. Rien du même tout. Même pas un pain, un biscuit, voire même le chewing-gum. Ah. Hein? Ah. Je suis juste confuse. Elle dit qu'elle va m'envoyer quelque chose. Je ne sais pas où. Attendons et voyons. Je sais qu'elle va envoyer de l'argent. J'ai de l'espoir. T'inquiète. Pourquoi l'appeler? Elle va nous envoyer quelque chose. Non, Angelina ne pouvait pas nous laisser comme ça. Non, pas mon Angelina. Pas mon Angelina. T'inquiète pas, elle va nous envoyer quelque chose. Oncle, je crois que tu as aimé la boisson. Ah. Hey. Quoi? Angelina, je n'ai jamais pris quelque chose de ce genre de toute ma vie. Hey. L'argent, c'est bon, oh. Oui, je sais. Ce n'est pas pour rien que j'ai demandé qu'on puisse nous les servir. Profitons des offres que la vie nous fait. oncle. Angelina, tu profites de la vie, oh. N'est-ce pas que toi aussi, tu profites des bonnes choses de la vie, oncle? Oui, je me rappelle de pourquoi je suis venu ici. Je peux voir, tu as achevé cette vie-là. Et voilà, tu as déjà aménagé. Angie. Oncle. Je veux que tu me fasses une grande faveur. Oui, c'est quoi? Je veux que tu amènes ta mère, ton frère et ta sœur. Laisse-les venir vivre ici avec toi. Oncle. Laisse-les vivre ici avec toi. Je sais qu'il y a assez de chambres ici pour vous contenir, vous tous. C'est impossible. Oncle, je ne veux pas avoir des inconvénients dans cette maison. Non, ils doivent rester là-bas. Je ne veux pas être dérangé par qui que ce soit. S'il te plaît. Angie, je sais que tu as plus de 6 chambres dans cette maison. S'il te plaît. Fais-moi une faveur. Laisse-les venir vivre avec toi ici. Oncle, la réponse est non. Ce n'est pas disponible. Oncle, s'il te plaît, profite de ta boisson. Hein? Profites-en. Sinon, une fois chez toi, tu risques de commencer à regretter la boisson que tu vas laisser. Oncle, profite de la vie, oh. Je l'ai vu. Je lui ai aussi dit pourquoi j'étais allé la voir. À ma plus grande surprise, elle a pu me dire clairement qu'elle ne va jamais vous laisser aller vivre chez elle, dans sa maison. Pourquoi est-ce qu'Angelina fait ça? Comment est-ce qu'elle peut vivre dans cette maison toute seule, sans pour autant faire appel aux membres de sa famille? Qu'est-ce que nous lui avons fait? Maman, tout ce qui s'est passé, la sœur Angelina, ça devient étrange. Elle nous a laissé vraiment dans la difficulté. Mais elle ne peut rien faire pour nous, pour nous rendre heureux. C'est vraiment étrange, maman. Maman, oncle, Izona, je connais moi-même très bien. Mon instinct ne me ment jamais. Je crois que quelqu'un a poussé son esprit à faire quelque chose de bêtise. Parce que depuis qu'elle a cet argent, elle ne nous a pas encore donné même un petit rien. Je suis persuadée que quelque chose ne va pas quelque part. Nous devons très bien faire attention parce que quelque chose ne va pas. Mes enfants,
C'est une gifle sur nos visages. Qu'est-ce qu'Angelina va gagner en nous punissant de cette façon? Je ne comprends rien. Pourquoi fait-elle cela? Pourquoi? Daina, laisse-moi te dire ceci. Tu devrais remercier ton Dieu. Tu as un toit où tu peux coucher ta tête avec tes enfants. Oublie un peu Angelina et sa villa. Elle est sans cœur. Ce que tu as est beaucoup mieux. C'est ça la maison dont tu parles? Oh oui. Comparé à celle que ma fille a construite? Y a-t-il quelqu'un qui viendrait ici te demander de quitter cette maison? Angelina, pourquoi? Nayedjina. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Et je n'ai pas envie de mal parler. Nous n'avons rien fait à Angelina. Nous n'avions rien fait de mal à ma fille Angelina. Pourquoi nous fait-elle ça? Pourquoi? Si tu vas m'écouter, alors je te dirai. Oublie Angelina. Prends soin de tes enfants. Vivez ici, dans la paix. Elle a un très mauvais cœur. Nay, comment veux-tu que je prenne soin de ses enfants en restant assis sur cette chaise roulante? Elle était mon espoir. Je priais pour elle jour et nuit pour que Dieu puisse la bénir et qu'elle puisse élever cette famille. Mais qu'est-ce qu'elle a fait en retour? Elle a brisé mon cœur. Elle a déchiré mon cœur en mille morceaux. Hey. Pas jusque-là, pas jusque-là. Maman, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que Angela ou Angelina est le seul enfant que tu as? Débrouille-toi avec les autres. Avec qui joker? Maman, c'est bon, ça okay. Va aller. Je ne vais pas te voir comme fais ça. Fais pas ton sourire et fais comme si rien ne s'était passé. Et tu crois que c'est facile? Tu me dis que ça va. Hein? Pendant que les choses empirent, que je mette des sourires sur mon visage. Tu veux que je me mette un sourire pendant qu'à l'intérieur je suis en train de pleurer si quelqu'un me demande que je dise oui, je veux bien et pourtant à l'intérieur ça brûle? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Quoi? Hey, mon cœur a très mal. Angelina, qu'est-ce que je t'ai fait? Prier ne changera pas son avis. Bien, ma chère fille. Comme j'étais en train de dire. Eh bien, vois-tu Obina ici, mon fils? Il a servi son maître pendant 16 bonnes années, oh! 16 bonnes années! Pendant qu'il servait son maître, il n'y avait aucun problème. Et tu connais cette partie où, quand tu sers ton maître, après un moment, le maître devra te libérer. Donc, quand était arrivé le moment des libérations, afin que le maître libère Obina, il lui a balancé une très mauvaise accusation. Hein? Il a dit que Obina avait fait ceci, Obina avait fait cela, il ne l'avait pas libéré, il ne l'avait même pas libéré. Maintenant, Obina, il est en train de chômer et aller par-ci, par-là, partout dans cette communauté. Hein? Pardon, c'est ce pourquoi je suis venu à toi, pour voir comment tu peux nous aider. Je veux qu'il devienne un homme. Hein? Pardon, aide-moi, je t'en prie. Oh, moi, c'est ça, ce n'est pas un problème. Vous savez, j'ai toujours été disponible à vous apporter ça, des l'aide. Ça, c'est vrai. Dis-moi, combien il te faut pour commencer un business qui peut te rendre indépendante et libre financièrement dans le temps? Ma tante, avec 800 000, je peux déjà commencer. D'accord, je te donnerai 1 million de Naira. Merci beaucoup ma tante. Merci beaucoup, j'apprécie. Vas-tu te mettre à genoux toi, hein? Qu'est-ce que je t'ai appris merci toi? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Hey, merci infiniment. Tiko Kika Abiam va te bénir. Puisses-tu vivre longtemps? Ok, Mazi, ça va. Merci infiniment. Est-ce que tu as un compte bancaire?
Lui, non. Il n'a pas du tout de compte, mais moi j'en ai. Ok, d'accord. Tu vas m'envoyer les identifiants de ta carte, d'accord? Ok. Alors, pour moi, Zé, utilisez cette différence pour acheter tout ce dont vous aurez besoin. C'est 50 000 naira. Oh mon Dieu, ça ce n'est pas du tout un petit rien, c'est bien plus merci que ça. Merci. Vas-tu la fermer toi? N'importe rien, quoi. Merci madame. Merci beaucoup. Merci. J'apporterai ce qu'il faut. Va commencer ton travail. Allez toi. Allez le faire avec la sécurité. Oh, c'est ce qu'il doit acheter. Hein. Allez, dépêche-toi. Va vite acheter ce qu'on t'a demandé. Merci beaucoup. Hey, hey, l'argent. Apporte-moi ce que tu as préparé à manger. Désolée madame. Passe de ce côté. Désolée madame. Désolée, madame. Bye bye. Vous êtes partie pour de bon. Qu'est-ce que vous croyez? Tout ce qui prie n'est pas de l'or. C'est sur vous que je claque les billets de banque. Regardez l'argent. Tiens. Regardez l'argent. Hey, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Merci. Angelina, Merci. De rien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis là pour vous. D'accord, tu as raison. On y va. Partons. Hey, merci. Maman Neka, je viens de ta maison, on m'a dit que tu étais sortie. Te voilà avec ta compagnon en train de chanter et de vous réjouir. Qu'est-ce qui se passe? J'étais allée chez Angelina pour recevoir ce qu'elle distribue aux gens. Regarde, hein, parce que j'ai reçu le pain et l'argent. J'ai eu ma part. Oui, elle a essayé. Mm-hmm. Elle nous a donné le pain avec 50 000 naira à chacune. Hey, Ego. Quel miracle. Angelina a remis de pain à chacune de vous. 2 pièces de pain à chacune et 2 000 naira. Oui, oui oh. Quiconque verra Angelina. Qui la salue de ma part. Elle est incomparable. Dieu les récompensera de ses œuvres. Elle ne cesse de nous apporter la joie dans cette Angelina. Communauté. Angelina, mais vous avez raison de vous réjouir. C'est ça, ma belle. Partons, on y va. Izuna, doucement. Tu avais dit qu'il n'y avait rien à manger à la maison maman, aujourd'hui, c'est ça? Maman, tu ne croiras pas ce que je viens d'entendre. Maman, tu ne croiras pas ce que j'ai entendu. Pas seulement entendu, mais je le vis de mes propres yeux. Hey! Onkechi, qu'est-ce que tu as vu et tu as entendu dire? Maman, ta fille Angelina, ma propre sœur, distribue le pain et donne 50 000 naira à toutes les femmes du village. 50 000 naira. Je suis en train de rêver. Nketi, es-tu sûre de ce que tu es en train de dire? Maman, je suis sûre. Comment est-ce qu'Angelina peut faire une telle chose pendant que moi, sa mère,
Je n'ai jamais porté le pain qu'elle m'a acheté avec son argent. Katie, es-tu sûre de ce que tu dis? Maman, je suis sûre. Je suis très sûre. Maman, je t'ai dit toujours que quelque chose ne va pas bien. En voyant seulement ce que ma sœur est en train de faire là, quelque chose ne va pas bien du tout. Hey! Donc, les gens de cette communauté veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Hey! Ils ont l'audace de se réjouir avec l'argent de ma propre sœur. Maman, je t'avais dit, quelque chose ne va pas. Quelqu'un d'espoir, mais elle mange son argent sans nous. Hey! Mais qui m'a fait ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Angélie! Mais pourquoi ça, ma fille? Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'avions-nous fait à cette fille, Angélina, qu'elle refuse de nous pardonner? Mon Angélina! Ma fille, Angélina! Distribue le bagne! Elle maman, s'il vous plaît, ne le fais pas, maman! Autres, ne le fais pas! Sans même penser à moi! Issou n'a bien fait s'il de rentrer plaît. À la maison et il m'a dit qu'il n'y a rien à manger maman, aujourd'hui. S'il te plaît, ne pleure plus, maman. Oh mon Dieu. Calme-toi, maman. Angélina, calme-toi. Où es-tu? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Oh hein, maman, tu veux que je ne te pas, tu veux qu'on commence tous à pleurer, maman? Tu veux qu'on pleure, nous tous? Es-tu sûr de ce que tu dis? Es-tu maman, sûr tu veux que nous pleurons aussi ou quoi? Hein, s'il te plaît, ne pleure Angélie. Plus, maman. Maman, Angélie. Calme-toi, maman. Hein, je calme ne sais pas toi. Comment on va survivre aujourd'hui. Oh. Parce que je n'ai pas pu ramener de l'argent. Inquiétude m'a dit que vous toutes n'avez pas encore mangé. Chizoké, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, mon garçon? Hein? On ne peut pas dormir en famille. Envoie Ketchi ou Izuna chez ton oncle. Qu'ils lui disent de nous donner les ignames ou n'importe quoi à manger. Ah, maman, c'est une situation très embarrassante. Oh. C'est vraiment trop honteux. Allez pour supplier. Tu sais que c'est mieux que de dormir avec un estomac vide. S'il te plaît, il va comprendre. Ketchi? Izu? Izuna? Inkechi, je n'apprécie pas ce qu'il se passe. Comment vous êtes là jusqu'à cette heure et vous n'avez encore rien mangé? Et vous n'avez même pas pensé à venir me le dire? Comment ça? Oncle, s'il te plaît, calme-toi, hein? Pardonne-nous. Ce n'est pas ce que tu penses. Juste que nous ne voulons pas que tu te déranges en prenant soin de nous. Mais, écoutez un peu ce que vous dites. On ne pouvait pas venir te déranger. Pourquoi suis-je votre oncle alors? Non, dites-moi, pourquoi suis-je votre oncle? Aussi longtemps que je serai en vie, je vais me rassurer que vous ne manquiez pas de nourriture. Hein? Vous ne manquerez pas de nourriture à la maison. Oncle, s'il te plaît. Vous comprenez? Dites à votre mère que je ne suis pas content. N'importe quelle heure, n'importe quel jour, venez. Ok. Ok, attendez-moi là, j'ai quelque chose que je peux vous donner. Attendez. Oncle, merci. Oh, non, ne me remerciez pas, je suis là pour vous. C'est ma responsabilité. Hey, petit frère, si seulement on l'avait fait. Oh. Hey. Peux-tu imaginer que je suis parti chercher Angélina? Elle a eu l'audace d'appeler les agents de sécurité pour me faire sortir. Vraiment, la manière dont je l'ai traitée avec l'amour. Ah! La vie, comment est-ce qu'elle peut être si méchante comme ça? Romanus, est-ce que je peux te conseiller, étant que ta mère? S'il te plaît, mon fils, ce à quoi tu dois penser maintenant, c'est d'aller en ville et faire de l'argent. Et non, Angélina, ceci, Angélina, cela, à tout moment. Angélina n'est plus au même niveau que toi. Elle a changé de rang social. Angélina n'est plus à ton niveau. Oh. Tu dois le comprendre comme ça. Mon fils, il est là, très haut. Toi, tu restes en bas. Hein? Ça ne marchera plus. Mon fils, ne pense plus à elle, s'il te plaît. Fais comme si elle n'existait pas. Ne te souviens même pas d'elle. Oublie-la.
Va en ville et fais-toi de l'argent. Oui, maman, je vais aller en ville pour chercher de l'argent. Je ne pensais pas qu'on allait finir de cette façon-là. C'est ça, oh. Je comprends pourquoi l'argent est très important dans la vie d'un homme. Je ne fais confiance en personne. Tout homme peut faillir, mais c'est seulement Dieu qui ne faillira jamais. C'est ça, mon enfant. Exact. C'est ça, la vie. La seule joie que j'ai, c'est le nom que tu m'as donné. Le nom qui n'est pas comme tout autre nom. Un nom qui vient de la Bible. De la romance vient Romanus. Voilà, moi. Va dans la Bible et tu verras d'où est venu mon nom. Il y a Lévitique et après Romanus. Hé, hey, Dieu. Tu as raison. Romanus. Maman, ça va aller. Tel père, tel fils. Ça va aller. Dieu est avec toi, ça ira. Ça va aller. Ça va aller. Ça va. Hey, Mazguiné, hein? Ne suis-je pas chanceux? Je me dirige exactement vers chez toi. Je t'en prie, je veux que tu puisses m'aider à remercier la fille de ton défunt frère. Angelina. Elle m'a vraiment surprise. Tu connais bien mon fils, n'est-ce pas? Obina. Oui. Son patron ne l'avait pas libéré. Ça a été comme ça depuis longtemps. Et ce pauvre garçon était là à supplier chiki dans tout le village. Toujours sans réponse. Alors, quelque chose m'avait dit approche, Angelina. Alors, je lui avais demandé comment peux-tu m'aider pour que Obina devienne un homme. Elle a dit, Obina, de combien auras-tu besoin pour commencer une affaire? Devine quoi, oh. Obina a ouvert sa sale petite bouche là pour dire 800 000 lira seulement. Je lui ai pincé, je lui ai dit, Obina, es-tu malade? Beaucoup d'argent comme ça. Sais-tu ce que Angelina a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, d'accord, ne t'en fais pas, je vais te donner 1 million de naira. Je te dis, mon cher ami, mon cœur, boum, a quitté ma poitrine. J'ai pensé que c'était une blague, ça. Sais-tu ce qu'elle a fait après? À part cela, sais-tu ce qu'elle a fait encore? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Hey! Elle a dit, Mazi, prends ce petit rien et utilise-le comme tu voudras. Devine combien est-ce que le petit rien était. Vas-y, devine. Tu peux deviner? Allez, vas-y, devine, non? Vas-y, devine combien c'était. 5000 naira! Je n'ai jamais été aussi chanceux de toute ma vie. T'en fais pas, mon ami, hein? Ce que je vais faire, c'est que, hein, quand j'aurai du temps, après avoir investi, je viendrai dans ta maison, comme ça on va savourer et puis on va profiter, hein? Je suis comblé, madame, je suis comblé. Je prie Dieu, oh, je prie que Dieu puisse t'ouvrir ta propre voix, oh. Je t'en prie, quand tu la verras, salut-la de ma part. Dieu soit loué. Oh mon Dieu, oh, l'argent. J'ai réussi, oh. Angelina Oui, tu as dit que tu allais me payer la balance. Ça dépend de toi. Ok. C'est bon. C'est très amusant. C'est drôle. Ok, il n'y a pas de souci. Salut, oncle. Bienvenue. Mes gens m'ont dit que tu veux me voir. Oh oui. Ok. Angie. Oncle. Tu peux voir que nous sommes maintenant dans la saison agricole. Ouais. J'ai besoin d'argent pour cultiver. Et aussi pour moi-même. Je veux changer ma garde-robe pour que les gens dans cette communauté sachent que j'ai une fille qui est riche. Oncle, je suis désolée. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose sur moi. Je suis désolée. Non. Angie, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Partout ici, dans cette communauté, les gens chantent tes louanges. Pourquoi nous, les membres de ta famille, ne pouvons pas jouir de ta richesse? Mais pourquoi tu me dis ça?
Il faut que tu fasses quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose. Bien, oncle, tes intentions sont bonnes, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'argent à te donner, franchement. Je suis désolée. Allô, Joséphine? Oh, oui, je veux bien. Vraiment? Ah, très bien. Ça, ce n'est pas un problème, chérie. Bien, comme le véhicule sont déjà au garage, tu dois encore m'envoyer des grandes marques exotiques. Oh oui, tu sais, non? Oui, oh, j'éclate les billets des banques, ma belle. Oui? Oui, ils n'ont qu'à m'envoyer leurs identifiants et sur le champ, ils auront leur argent. Ouais. En un clic. Ma belle, tu peux le dire encore. D'accord, chérie, prends soin de toi. Bye, à tantôt. Alors, oncle, c'est comme je le disais, j'ai beaucoup de choses à faire, donc si vous n'avez pas grand-chose, je préfère me libérer pour aller continuer là en haut. Et dans ce cas, tu peux disposer. C'est pas grave, tu peux rester là en relax et profiter de la fraîcheur, oncle. Arrête de froncer les sourcils, oncle. Tu sais que tu es ma favorite, non? Oncle, permets-moi d'aller en haut pendant que tu prends ton temps. Après quoi, tu peux rentrer, hein? Prends ton temps. Oh, mon frère, mon fils, sois le bienvenu. Tu es revenu? Est-ce que tout va bien? Ah, ah. Pourquoi es-tu triste? Maman. Maman, cette vie, elle est remplie d'injustice. Ça fait vraiment très mal. Mon garçon, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'atelier très tôt aujourd'hui. Deux garçons étaient entrés. Ils voulaient que je les aide à fixer leur banc. Alors, pendant que je le fixais, j'ai entendu l'un d'entre eux disant que Dieu bénisse Adanne pour tout ce qu'elle a fait de très bon dans ce village et que Adanne a sponsorisé son frère pour voyager à l'étranger. Je lui ai demandé, ah, es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Il a dit oui, non? Ne suis-je pas dans ce village? Là, elle a déjà sponsorisé plus de 10 garçons dans ce même village. Mais regarde-moi, maman. Regarde-moi très bien, non? Chaque jour de ma vie, je suis tout le temps à l'atelier donnant des coups de marteau. Mais j'ai pourtant une sœur qui sponsorise des gens à l'étranger, mais moi, donc je ne suis pas assez bon pour voyager. J'ai une sœur qui n'arrête pas de jeter de l'argent. Donnons de l'argent aux gens, mais nous sommes là à souffrir. Nous sommes là à souffrir, mais ma sœur est là à sponsoriser des gens. Hey. Maman, non. Maman, ne commence pas. Maman, ne pleure plus, maman. Maman. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ah, maman, non, 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 maman. Ne dis plus jamais maman, ça, maman. Si tu dis ça, je vais quitter ne cette maison. Ne dis plus jamais ça. Pourquoi est-ce que tu peux dire une telle chose, non? D'ailleurs, la prochaine fois que tu vas me demander quelque chose, je ne répondrai pas. Maman, c'est bon. C'est bon, maman. Maman, ne t'inquiète pas. On va la trouver ici. Mais c'est quoi ça? Qui prend comme ça la porte? Vous savez même pas comment frapper? Hein? Vas-y, comment frapper. Oh. Madame. Mon fils. Bon après-midi, madame. Oh, mon fils. Bon après-midi. Oui, madame. Bon après-midi. S'il te plaît. Je suis venue voir ma fille, Angelina. Hmm? Angelina, ma fille. Ma patronne. Elle ne m'a jamais parlé de vous, madame. Angelina. Non, ma non, patronne. Non, non, ne dis plus jamais ça. Hein? C'est sa maman. Sa maman. Sa mère. Oui. Uh-huh. Oh, la mère de ma patronne. Uh-huh. Wow, 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 wow. Wow. Madame, moi je vous comprends, mais je dois aussi respecter ma patronne. Vous savez, elle m'a dit que
Personne ne doit entrer ici sans sa permission. Vous comprenez ça? Ok. Alors, laissez-moi entrer. Je veux lui dire que sa maman est là et elle veut la voir. Très bien. S'il te plaît, entre et dis-lui que sa maman oui, est là. Oui, madame. Waouh! Hein, madame! Hein, hein. Ah, Joséphine, merci beaucoup. Je te resterai infiniment reconnaissante. Je te l'avais dit. Oh oui! En tout cas, je suis fière de toi. Tu peux le dire encore, ma chérie. Pour l'instant, tu sais, bon après-midi. Excusez-moi de vous interrompre. Je vis une fille là-bas d'ailleurs avec une femme sur une chaise roulante. Et elle dit que la femme en question est votre mère. Et les deux ont dit qu'elle voudrait vous voir. Dites-leur que je suis occupée, je ne saurais pas le voir maintenant. Hmm? Tu m'as entendu? N'est-elle pas votre mère? Dites-leur que je suis occupée, je ne saurais pas le voir oui, maintenant. Madame. Oui, madame. Mais nous parlons de votre mère, oh. Rentre maintenant à ton poste. Merci, madame. J'y vais immédiatement. Est-ce vraiment sa mère? Pourquoi elle refuse que je la fasse entrer? Ben. Franchement, Joséphine, je n'en peux plus. J'en ai marre de ce mode de vie. C'est quelle sorte d'argent et de richesse où je ne peux pas prendre soin de ma mère et de mes frères et sœurs? Franchement, c'est drôle. Ce n'est pas du tout amusant. Ce n'était pas du tout dans mon plan. Angelina. Angelina. Combien de fois t'ai-je appelé? Écoute, c'est pas comme si je ne comprends pas ce que tu ressens. Je le comprends bien. Mais hélas, tu dois toujours suivre les instructions. Ça, c'est si tu veux que l'argent puisse continuer à couler au maximum. Crois-moi, ma belle. Allez, arrête un peu. Ce n'est pas du tout facile, tu sais. Non, ce n'est pas facile. Réjouis-toi. Est-ce qu'on peut déjà venir entrer? On peut entrer? Maman, madame est vraiment occupée maintenant. Elle a dit que personne ne peut la voir. As-tu dit à Angelina que sa mère veut la voir? Sa maman? Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit que c'est votre maman qui vous a allaité. Je lui ai dit tout ça, maman. Mais elle est occupée. Je vais tout expliquer, oh. Maman, je vous jure. Je ne le crois pas. Comment est-ce que ce serait impossible d'aller appeler ma sœur Angelina et la dire que sa mère est ici d'ailleurs en train de l'attendre? Et puis tu me dis qu'elle est occupée. S'il te plaît, va l'appeler. Ce n'est pas possible, ça. Mon Dieu. Donc tu ne me crois pas, c'est ça? Non. Je parle à moi-même. Tu me parles comme ça. Père de deux enfants. Désolée. Je ne suis pas les deux enfants. Je vous ai dit que je lui ai dit, mais elle a refusé. Je vous ai aidé. Elle a refusé. Ne jouez pas avec moi comme ça. Hein? Je suis un père de famille quand même. Ne me parle pas comme ça. J'ai essayé de vous aider. Mais elle a refusé. Elle a refusé. Calme-toi. Je t'ai dit que ce n'est pas de ma faute. Maman, arrête de pleurer. S'il te plaît. Maman, arrête. Tu pleures. Allons-y, maman. Ne pleure pas, oh. Maman, ne pleure pas. S'il te plaît, maman. Revenez une autre fois, là. Maman, allons-y, maman. Arrête. Arrête de pleurer. Maman, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Maman, ça va. Quel mal ai-je fait, Angelina? Oh, qu'elle me rejette comme ça, mon Dieu! Maman, c'est bon. Maman, ok, allons-y, maman. Allons-y. Maman. Allons-y, maman. Tu ne veux plus que tu te déranges. Maman, allons-y. Pourquoi? Maman, arrête de pleurer, non? Tu veux que moi aussi je pleure? Maman, allons-y. Oh, my people, bienvenue. J'ai apprêté pour chacun de vous un paquet. On te connaît. Merci beaucoup. Ma richesse est pour vous. Je ne saurais dormir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Regardez, oh, regardez ce qu'elle m'a donné. Merci. Merci à toi. Tiens. Merci beaucoup. Ouais, Angelina.
Angelina, merci. Je ne voulais même pas aujourd'hui aller à mon shop, tu vois. Mais mon esprit m'a dit sors. Mais j'écoutais mon esprit et voilà maintenant. Voilà ce que j'ai là. Mais mon shop, je vais le changer. Mon esprit, c'est t'inviter de soi-même. Demain matin, je vais aller m'amuser. Je vais aller m'amuser, bien sûr. Tu sais que tu as reçu beaucoup d'argent. Regarde, moi je n'ai que ça. Idiot. Attends, on va aller compter. Si on te croise avec l'argent comme ça, on va te tuer. On s'assoit quelque part et puis on va tout arranger. Regarde, il y a des gens qui arrivent. Ils arrivent. Ah, attends, tu vas te chiffrer toi-même. Tu viens de le voir. Tu as beaucoup d'argent. Regarde, donne-moi là. Donne-moi même cette partie-là. C'est quoi ça? Va là-bas. Regarde mon argent. Regarde comment est-ce que tu es parti, mon argent. Arrête de m'embrouiller. Va là-bas. Tu as tout compté, non? Donne-moi même ce qui est là. On va d'ici. Viens, on part comme ça. Hein? Toi, j'ai toré. Ne reviens plus ici. Si tu passes ici, je vais te frapper. Regarde. C'est fini par là. C'est fini. Écoute, moi, avec cet argent, je vais donner à mon papa, mon maman, mes sœurs. C'est vraiment beaucoup. On se revoit. C'est bon, à la prochaine. Thank you to Angelina, our angel of goodness. Come and shower. Shower, Angelina, shower. Angelico, perfume shower. With money. Money is the soap to wash poverty. Come on to. Shower, with money, wash away your suffer. Shower, Angelina, shower, Angelico perfume shower. With money is the soap to wash poverty. Come on, to Angelina, shower, oh. With money. No matter your problem, no matter your condition, no, don't kill yourself. Come and see Angelina, and if naira cannot solve the wahala, don't worry. Angelina, go give you dollar. Shower, Angelina, shower. Angelico perfume shower. With money is the soap to wash poverty. Come on, to Angelina, shower. With money, wash away your suffer. Shower, Angelina, shower. Angelico perfume shower. With money is the soap to wash poverty. Come on, to Angelina. With money, Angelina, shower. Shower, Angelina, shower. Angelico perfume shower. With money is the soap to wash poverty. Come on, to Angelina, bath for shower. With money, Angelina, shower. Jeune. Oui. Quel est le problème? Ben, je ne sais pas trop. J'ai juste constaté que le véhicule ne marchait plus. J'ai appelé le mécanicien. Il sera là d'un moment à l'autre. Très bien. Ouais. Très bien. Je suis Chief Harrison, de la grande compagnie. Arigubal, c'est très intéressant. Importeur et exporteur. Mm-hmm. Très bien, je m'appelle Angela Okorafor. Ok. J'habite dans ce village et je suis aussi de ce village. Vraiment? Ouais. C'est très magnifique de savoir.
j'aimerais bien te connaître un peu plus et juste pour qu'on puisse... Oh, très intéressant. Alors, Monsieur Harry, des Global exact. Limited, vous venez d'où et où est-ce je que vous allez? Je reviens juste de la ville. Oh, ok. Ça te dérangerait si je restais avec toi jusqu'à l'arrivée de ton mécanicien? Bien sûr que oui. C'est très gentil de votre part. J'apprécie bien ta personne. Oh, ah bon? Merci. Tu es vraiment une femme de grande vertu, je peux bien voir ça. J'aime de barbe blanche, vous savez. C'est très magnifique. Oh. Bienvenue, oncle. Mais j'ai envoyé te chercher. C'est pour que nous puissions parler ensemble avec ces messieurs. Ils s'appellent Harry Global. Oh, Harry Global. Ce nom-là m'est un peu familier. Est-ce que ce n'est pas Harry Global de Newi? Exact, c'est cela. Oh, bienvenue. Merci bien. Bienvenue. Bien, oncle Harry est mon fiancé. Nous planifions déjà nous marier dans peu de temps. C'est la raison pour laquelle j'ai été appelée pour que tu en discutes avec lui. Oh, mais c'est merveilleux. Ah, Harry Global. Oui. Je suis heureux que la fille de mon défunt frère ait enfin fait un choix. Exact. Je suis vraiment très heureux. Vous pouvez le dire encore. Bienvenue dans notre famille. Merci infiniment. Angie. Oncle. Viens un instant, chérie. D'accord, ça arrive. Je crois que je ne vais merci pas beaucoup te manquer. Merci infiniment. Hey. Hey. Oh. Hey. Angelina. Oncle. Je vais te dire ceci. Ce n'est pas prudent de plonger comme ça dans le mariage sans bien connaître la personne. Est-ce que tu le connais très bien? À son âge-là, il doit être déjà marié. Oncle, il était marié, mais il a perdu sa femme. Hé, hey, il a perdu sa femme. Bon, ça va. Est-ce que tu veux toujours l'épouser? Bien sûr que oui, je l'aime, je veux l'épouser. Très bien. Il faut l'amener chez ta mère. Amène-le chez ta mère, hein? Oncle, je ne pense pas que c'est important. C'est nécessaire. Tu ne dois pas priver ta mère de ses droits. Tu ne dois pas. Ok, bien, je vais le lui dire. Ça, c'est bien ça. Mon oncle, chérie. C'est oui, bon, allons-y, d'accord. Allons-y. Allons-y. Oh. Paris Global. Bienvenue une fois de plus. J'ai entendu ce que la fille de mon défunt frère vient de me dire. Il faut seulement te préparer pour les droits traditionnels. Ok, d'accord. Hein? Mais Angie, il faut que tu la mettes dans ma maison. Bien sûr. Mais avant cela, j'aimerais quand même faire un petit vous allez aimer ça. Sérieux. Ah, c'est global. Oui. Donc, tu connais vraiment les choses. Très bientôt, je serai appelée Madame Harry Global. Je suis à toi. Maman, il y a un certain chien, Harrison, qui a demandé mon nom. Je sais quoi. Wali Wawa, avez-vous entendu? Famille? Ou famille? Oh! Angelina! Tu te rappelles maintenant que tu es une famille? As-tu une famille? Non, je ne pense pas. Après tout ce que nous avions reçu comme humiliation en venant chez toi, tu as le courage de venir jusqu'ici pour nous dire que je vais me marier. Tu n'as pas honte, toi,
Tu es une éhontée. Maman, je suis venue tout simplement vous informer que je me marie. Ce n'est pas pour que tu m'insultes. Et après quoi? Tu veux finalement te marier? Oui, je veux me marier. Tu veux finalement te marier? Mais famille, 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 hein? Quoi? Après tout ce que tu nous as fait, tu n'as aucun remords. Pas le moindre remords. Et tu es là à nous dire que tu veux te marier. Mais pourquoi est-ce que se comporte comme une idiote? Hein? Tu es ok? Ne m'insulte pas, je suis et je reste ta grande sœur. Ok? Bien, maman, mon mariage traditionnel est pour la semaine prochaine. Vous êtes tous invités. Elle a fixé une date sans nous informer. C'est quoi cette bêtise? Hey! Maman, tu n'as vraiment maman, pas Maman, maman, ne t'en fais pas. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Au moins, tu peux voir qu'on est encore vivant. On n'est pas mort. Hein? Ok? On peut bien survivre sans toi. Tu es venu nous informer que ton mariage est prévu pour la semaine prochaine. Pas de problème, oh. Ce n'est pas un problème. Continue de vivre ta vie. On va très bien, comme tu peux le voir. On n'est pas mort. Je suis pas aveugle. Qu'en est-il des femmes auxquelles tu avais distribué l'épargne? Où est-ce que tu as envoyé leurs enfants à l'étranger? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller les appeler pour qu'ils viennent fêter avec toi? Ces voitures. Tu es perdu. Au moins, je pas de ta nourriture. Maman, tu me cries dessus et je n'apprécie pas ça. S'il te plaît, pardon. Je ne vais pas te supplier et je ne vais pas te maudire. Quitte cette parcelle. Maman, c'est la parcelle de mon père. Vraiment? Oui. Donc, Angelina, tu as un père. Je vais te chasser avec une machette. Angelina, je ne suis pas avec moi. Tu te rappelles que tu as un père. N'importe quoi. Que tu te rappelles que tu as une famille. C'est votre affaire. Tu n'importe quoi. Honte à toi. Vas-y. Arrête. Honte à toi. N'importe quoi. Ose encore dire. Vas-y. Roman, tu es là en train de boire et de manger. Pendant que la femme que tu as épousée va épouser un autre homme demain soir. Tu penses que ça ne m'inquiète pas? Hein? Tu penses vraiment que je suis content? Ou bien je suis heureux? Parce que je mange? Tu veux que je me tue? Parce que ma femme a épousé une autre personne? Hein? Personne dans ce village connaît combien de fois je souffre pour cette femme. Tu sais combien de fois je souffre? Combien de fois on me blâme, de l'humiliation, toutes sortes de mauvaises choses, en commençant par ma famille et toutes les personnes dans cette communauté. Regarde, ils sont même pas complets. C'est moi qui ai provoqué toute cette relation-là, jusqu'à ce qu'ils deviennent mari et femme. Et maintenant, elle m'a abandonné pour un vieux papa. Un monsieur tellement vieux qu'il pouvait même être son père. Sûr. Un homme qui n'a pas beaucoup de jours sur la terre. Oui. Il est tout près de la mort. Si c'était un jeune homme comme moi, je n'allais pas m'inquiéter. Vraiment. Je comprendais parce que moi, je n'ai pas l'argent. Mais un vieil homme, papa, un grand-père. Ah, Angelina ne voit pas. Bien, il ne faut pas t'inquiéter. Je t'enverrai une meilleure femme. Une femme qui t'aimera comme tu es. Une femme qui te chérira telle que tu es. Hein? Mais pense-y un peu. Tu ne penses pas que Angelina et son soi-disant mari devraient te compenser ou te rembourser? Tu devrais être compensé. Hein? Tu as réglé une dette. Oui. Tu as soulevé un point. Ça, c'est une bonne opportunité pour moi de gagner tout ce que j'avais perdu. Ils doivent me compenser. C'est le moment pour moi de me venger de cette vie-là. Je vais faire en sorte que qu'elle me dédommage. Est-ce que tu me comprends bien? Ah oui, je te quoi comprends. Quoi qu'il arrive, elle est obligée de le faire. Ah oui, imagine. C'est ça, tu as raison. Hé, hey, tu n'es que... Ils doivent me compenser. Si seulement ils refusent de me compenser, ce qui me revient de droit, je vais aller détruire ces mariages dans cette communauté. Je vais tout détruire. Oui! Je vais aller là-bas, détruire toutes choses là-bas. Je vais me rassurer que tout est détruit. Tu es un homme. Je suis la raison pour laquelle elle profite de cet argent. Oui, si je n'avais pas cogné cette dame, elle n'allait pas croiser son futur mari. Et cette dame-là, elle allait être là avec moi. Je suis la raison pour laquelle elle sourit. À cause de ça, elle doit me dédommager. Au cas contraire, je lui dirai comment je m'appelle. Mon nom est venu. Mes parents ont eu mon nom. Ils ont eu mon nom à partir de la romance. Romance, Romanus. Tu es un homme. C'est ça même. Tu es un homme. C'est tout ce que je voulais entendre. Je suis derrière toi. Mickey. Mes yeux sont maintenant ouverts. Maman, tu n'es d'où? Maman, tu n'es d'où?
Romanus, qu'est-ce qui se passe encore, hein? Pourquoi tu pleures? Oh Guinée, pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi devrais-je pas pleurer? Donne-moi juste une seule raison. Donne-moi une raison. La femme que j'ai aimée, elle est allée séparer un autre homme. C'est la raison pour moi de pleurer. Pour quelle raison devrais-je pas pleurer alors que mon cœur est en train de se... Maman, elle a brisé mon cœur. Mon cœur est en train de se... Romanus, tu vois pourquoi je t'ai toujours dit de passer à autre chose. Puisque Angelina est en train de vivre sa vie. Et toi, tu te mets à pleurer à cause d'une personne qui ne veut plus de toi. Hein? Oui. J'avance ma vie comment? Avec quel pied? Je n'ai même plus la force d'avancer. Maman, on avançait toujours ensemble, tu m'écoutes. On avançait toujours ensemble. Comment je vais avancer seul? J'arrive pas à avancer seul. De toute ma vie, j'ai passé toujours vivant avec elle. Et maintenant je suis seul. Comment vous voulez que j'avance? Maman, je ne saurais pas avancer. Romanus, une chose que tu dois comprendre ici est que Angelina ne t'a jamais aimé même une fois. Oui, il ne faisait que t'utiliser. Tout ce qu'elle fait prouve qu'elle ne t'a jamais pris au sérieux dans cette relation. Sinon, elle ne partirait pas loin de toi. Maman, laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que je peux vivre ma vie aussi longtemps que je l'aime? Vraiment bon. Elle a joué avec mes sentiments. Mais pourquoi elle m'a traité comme ça? Pourquoi? Maman, pourquoi Angelina m'a fait ça? Angelina, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Romanus, je ne cesserai de te dire de passer à autre chose. Oublie Angelina. Oublie tout ce par quoi tu es passé avec elle. Romanus, s'il te plaît, utilise ton cerveau. Ce cerveau contient des solutions, ce n'est pas pour rien que Dieu nous l'a donné. Rends-toi utile. Fasse autre chose. Maman, je n'arrive pas. Maman, j'ai mal au cœur, je n'arrive pas. Mon cœur est en train de saigner. Mon cœur. Angelina m'a blessé profondément dans mon cœur. Je ne pense pas que c'est Angelina qui pouvait me faire ça. J'ai trop mal. Ok, c'est fini, mon fils. Je ne peux pas avancer. C'est ça, sois fort. Ogena Koko, quoi encore? Donc tu es la seule personne dans ce village qui ne sait pas qu'Angelina, madame la patronne, s'est mariée? Eh, hey, vraiment, je serai là, je vais boire, manger, danser. Hey. Tu es vraiment malade. Les gens se rendront à la fête pour voir qui est cet homme chanceux. Toi, tu parles de la nourriture. Laisse-moi te dire, hein, si tu vas là-bas, hein, on te donne à manger, on te donne à boire. Il ne faut même pas y manger, d'accord? Faut pas. Allons-y, s'il te plaît. If you have the cash to buy everything, but the ones you love are suffering, what's the use? What's the use? Hey, attends. Où est-ce qu'ils vont, ces gens? N'est-ce pas que le mariage traditionnel d'Angelina est aujourd'hui? Et ils se dirigent au champ. Pendant que nous dirigeons au lieu du mariage. Ils sont juste terribles, ma sœur. Je ne comprends plus rien de tout ce qui se passe. Hey. Allez, mon ami, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je ne t'ai pas vu au mariage d'Angelina? Ma chère, j'avais raté. Oubliant. Imagine, ma mère m'avait envoyé, donc je n'ai pas pu assister. Pas alors, raconte-moi. Dis-moi, comment ça a été? Ma sœur, peux-tu imaginer?
que le même jour du mariage d'Angelina, toute sa famille s'est dirigée vers les champs. Tu es sérieuse à propos? Comment ils peuvent faire ça? Tu es sûre de ce que tu m'as dit? Qu'elle veut dire cette question? Comment je ne peux pas être sûre? J'étais bien sur le lieu du mariage. C'est sur mon chemin vers le lieu du mariage que j'ai rencontré sa famille en train d'aller au champ. Peu importe, c'était quand même bien passé, bien qu'il n'était pas présent. Écoute, laisse-moi te dire, même si on a des disputes, si des différences, j'allais déjà partir longtemps. Depuis. Je ne pourrais pas faire ce genre de choses. Pourquoi ils n'ont pas réfléchi? Qu'est-ce que les gens diront pour dire ça? Ah. Peu importe, ça m'est égal, ce sont des conflits de leur famille. C'est pas bien. Ma chérie, laisse-moi juste te dire ce qui s'est passé. La façon dont je me suis régalée dans cette occasion dont nous parlons, je suis rentrée à la maison avec deux plats dans les usages uniques, des emportés. N'en parlons même pas. Tu sais quoi? Mariage civil, je serai la première personne à être là. Je serai là tôt, même si ma maman viendrait juste pour m'envoyer. Je vais refuser. Attends, tu as déjà raté. Allô? Tu es toujours sur le même véhicule? Madame, j'en ai fini avec celle-ci. Y a-t-il autre chose que vous voudriez que je fasse pour vous? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas que tu n'as pas fini de nettoyer? Ok, pas de problème. Ne vous en faites pas. Je vais la laver encore une fois. Je la laverai encore une fois. Hein? Ok? Très bien. Ne perds pas toute la journée en nettoyant un seul véhicule. Ok? Non, je ne le ferai pas. Je ne perdrai pas de temps. C'est bien ce que tu fais. Je me dépêche, hein? Très bien, je t'attends à la maison, d'accord? Ok, chérie, je suis à toi dans quelques minutes. Laisse-moi finir avec la voiture. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, vous ne devriez pas faire ça, parce que madame pourrait penser que moi, j'ai refusé de travailler. C'est comme si tu t'ennuyais, n'as-tu vraiment rien à faire à ton poste? Oui, monsieur, je sais bien, mais... Je t'en prie, laisse-moi d'abord finir avec mon boulot, comme ça on va parler, d'accord? Waouh, vous savez vraiment laver la voiture de madame? Exact, je sais bien qui c'est, bien la voiture de madame. As-tu un problème avec ça? Non, mais au moins, ça m'aide aussi à me reposer. Madame! Chérie, tu m'as appelé? Bien sûr que j'ai presque fini. Il ne reste plus que des pantalons ainsi que quelques soutiens aussi. Très bien. J'ai besoin d'une boisson. Ah, ok. Tu as besoin d'un vin? Oui. Très bien. Shower, Angelina shower, Angelico bathy shower. With money is the soap to wash poverty. Come on, to Angelina shower. With money, wash away your suffering. Shower. C'est quoi ça? N'est-ce pas que j'ai de vin qui coûte plus que celles qui sont dans le réfrigérateur? Pourquoi tu m'apportes ce vin qui est moins coûteux? Désolé, chérie, je pensais que. Tu as pensé quoi? Un vieux fou qui ne vaut à rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Change-moi de vin. À l'extérieur. Reviens ici! Zinzin. Passe comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces vieux badauds? Désolé, chérie. Harrison, reviens ici. Est-ce que ça va avec toi? Je vais bien. Non, ça ne va pas. S'il te plaît, laisse-moi les finir. J'ai encore quelques soutiens.
Rassure-toi de bien laver la partie du milieu. Je le ferai. Ça doit sentir frais, ok? Je le ferai. Harrison, l'homme le plus romantique. Très bien. Stupide que tu es. Maman se sentira mieux. Maman, tu te porteras mieux, ok? Maman ira mieux. Elle se portera mieux. Elle se portera mieux. Hey! Ok, si. Oui? Je ne pense pas que maman sera guérie. Maman ne va toujours pas bien. Il faut un autre médecin pour ça. Oui, tu as raison, petit frère. On doit juste espérer, d'accord? Et tu sais quoi faire? Va dans les shops sur le grand frère. Dis-lui que l'état de maman s'empire toujours, d'accord? Dis-lui que vraiment maman ne va pas bien. Comme ça, il peut trouver une solution. Vas-y, va vite. Maman, tu seras juste guérie. Juste va-t'en. Maman se portera mieux. Hein? Elle ira mieux. Frérot, grand frère, grand frère, qui est-il? Grand frère, maman, hein? Maman, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Du tout, hein? La température s'est élevée. Ah, mais elle est bien quand j'ai quitté la maison, non? Quand tu dois venir avec moi, Ok, allons-y, dépêche. Attention, hein? Ok. Comment va-t-elle? Mon frère, je ne sais pas quoi dire. Hein? Oh mon Dieu, ça a vraiment l'air sérieux. Elle est vraiment très brûlante. Maman? Maman? Kichi? Mon frère. Prends très bien soin d'elle. Hein? Laisse-moi aller appeler une moto comme ça, on va l'amener à l'hôpital. Hein? Ne bougez pas. Ok, hein? Grand frère. Maman, tu iras mieux. Hein? Tu iras mieux. Docteur, s'il vous plaît, vous devez lui procurer des soins immédiatement. La condition de ta mère demande une attention très particulière. Tu dois payer 50 000 naira pour que nous puissions commencer le traitement. 500 000? 50 000 naira. Hey, docteur, je vous en prie, 500 000 naira, c'est beaucoup trop, non? Laissez-moi me débrouiller pour trouver 20 000 naira, je vous en prie. Tu sais, ça, ce n'est pas mon hôpital. Nous fonctionnons par des instructions. Tu dois faire vite, la condition de ta mère est très critique. Docteur, je vous en prie, le mieux, ce sera. Elle est ma mère, je vous en prie. Je sais, mais je vous en prie, docteur. Hey, 500 000 naira, où est-ce que je vais t'avoir? Où vais-je avoir 500 000 naira? Docteur. Oncle, je me dirigeais vers chez vous. Y a-t-il un problème? Il y a un problème. C'est ma mère. Ma mère est très sérieusement malade. Elle se trouve à l'hôpital. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oncle, je ne sais pas. Le docteur ne me l'a pas dit. Tout ce qu'elle a dit, c'est que nous devons déposer 500 000 naira avant qu'elle commence un quelconque traitement. Mais je n'ai même pas d'argent. Oncle. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'ai aucune somme d'argent sur moi. Hey. Ce que j'avais, je l'ai donné à mon ami Ewato ce matin seulement. Hey. Oncle, n'importe quelle somme, hein? 10 000 naira, 5 000, l'essentiel est qu'elle puisse commencer avec un traitement, hein? S'il vous plaît. Kitoke, tu me connais assez bien. Si j'avais un peu d'argent, je te l'aurais donné directement, sans même que tu me le demandes deux fois. Hey. C'est bon. Ne t'inquiète pas, tu vas à l'hôpital, je viendrai là-bas. Laisse-moi aller voir quelqu'un et voir combien d'argent je peux avoir. D'accord? Ok, devrais-je venir avec toi? Non. Ne te dérange pas. Laisse-moi partir et revenir. Je passerai à l'hôpital. Je vais aller revoir quelqu'un. Ok. Docteur, s'il vous plaît, j'ai été capable de collecter 10 000 naira seulement. Le mec qui me doit a dit que je devrais revenir demain pour les 10 000 restants. Alors... 10 000 naira n'est rien par rapport à la totalité à payer.
J'ai cru que tu parlais des 20 ménages. Je sais, mais je n'ai pas pu avoir cette somme, alors je viendrai demain pour... Peu importe, c'est 50 000 naira que tu vas payer. On ne sait pas commencer le traitement avec cette somme d'argent. Hey, docteur, je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vous en prie. Je sais, mais prenez d'abord cette somme et commencez avec. Je vous le promets, je viendrai avec le reste de l'argent. Ça, c'est... Ma mère est mourante, mais... je vous en prie. Tijoke, c'est la raison pour laquelle tu dois trouver cet argent le plus tôt que possible. La vie de ta mère est entre tes mains. Je le sais, je vous en prie, je vous en supplie. J'aurais souhaité être en mesure de t'aider, mais pour l'instant, je n'en peux rien. Franchement, docteur, à ce niveau, je ne sais pas quoi faire. Docteur, je vous en prie, non. J'insiste, je vous en prie. Tu ferais mieux de te dépêcher pour trouver le reste. Ok, gardez au moins ça, même si c'est pour une injection, comme ça je vais en rapporter encore plus, s'il vous plaît. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le docteur a refusé d'accepter le dépôt de 10 ménages. Je ne crois pas qu'ils vont commencer un traitement d'ici là. Ha! Tout ce qu'on fait tourne toujours mal. Mon frère, pourquoi pas aller parler avec le docteur? Bien sûr que je l'ai fait. Mais elle a dit que cela va au-delà de la politique de l'hôpital. Ouzo, allons-y chez notre sœur. Allons-y, elle va nous donner quelque chose. C'est à cause d'elle que maman se trouve dans cet état. Allons-y. Ah, je ne vois vraiment pas un seul moyen possible pour qu'elle t'aide. Mais vous pouvez quand même essayer. Mon frère, on va l'essayer avant que quelque chose arrive à notre maman. Maman, réponds-moi. Maman, est-ce que tu vas bien? Maman, tu iras bien, ok? Ça va. Ma chère Joséphine, c'est donc ça la réalité. Du moment, on n'en peut rien. Je crois que ces verres sont bien lavés, hein? Exact. Ils sont très propres. Très bien, merci. Tu peux partir. Savourez votre boisson. Angelina. Quoi? qu'est-ce qui te fait marrer? Désolée, c'est juste que ton mari, son attitude me fait marrer. Laisse tomber. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas, je le hais. Ah bah, cet homme est ton mari pour l'amour du ciel. Allô? Il est là juste pour me tenir compagnie à un certain niveau. Tu sais, quand j'ai besoin d'un peu de massage ou de quelqu'un qui peut prendre soin de moi. Sinon, je ne supporte même pas dormir avec lui dans une même chambre. Il mérite comme pas possible. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Madame. Oga? Vous le savez? Qu'est-ce que c'est? Je viens de voir, il y a des personnes là-bas au portail qui ont dit qu'elles sont votre frère et votre soeur. Ils veulent vous voir, madame. Vous voulez que je me concentre? Non. Qu'elles m'attendent dehors. Je sors là pour la voir. Très bien, madame. Ma chère. Le drame familial. Il me fait mal à la tête. Ok, permets-moi d'aller voir ma petite sœur. D'accord. Attends, il reviendra se dire qu'elle est occupée. Elle est où? Elle arrive. Qu'elle arrive? Oh, merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi. Oh, ce serait la première fois. Merci à vous aussi. Qu'elle nous aide, s'il vous plaît. Ne touche pas la voiture. Tu vas abîmer la voiture de ma patronne. Merci, bon après-midi. Bon après-midi. En quoi je peux vous aider? Ma mère à l'hôpital, elle est entre la vie et la mort. Et l'hôpital demande 50 000 naira avant qu'il commence avec les soins. Imagine. En quoi cela me concerne? Hein? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui travaille avec les autorités de l'hôpital? Non! Elle est une mère, elle peut prendre soin d'elle-même.
Attends d'abord. La personne dont on parle à ce moment, c'est ta propre mère. On a juste besoin de 50 000 naira pour compléter l'argent. Sois gentil. Grand-sœur, on a juste besoin de cet argent. Ma sœur, s'il te plaît, aide-nous. Hein? Mais je ne suis pas le seul enfant pour l'amour du ciel. Vous m'avez tous abandonné le jour de mon mariage traditionnel. Grand-sœur, s'il te plaît. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas non plus. Nous sommes des inconnus. Grand-sœur, je t'en supplie, grand-sœur. Assez, ma sœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'en ai assez. Je vais juste te poser une seule question. Bien, je t'écoute. Quelle est l'utilité de ton argent si tu ne peux pas aimer ta propre mère? As-tu fini de crier? Va-t'en maintenant de ma parcelle. Vous voulez savoir que madame crie comme ça? Là, vous avez déjà parlé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas compris? Mais partez. Dehors! Partez! Je ne veux pas les prendre pour ton argent, parce que tu n'arrives pas à aider notre maman. Allez-vous-en. Vous êtes d'abord ici. Mais dépêchez-vous. Je n'ai pas de respect. Madame, vous avez dû partir. Vous êtes encore là. Vous voulez seulement me chercher des problèmes pour mon travail. Vous voulez me chercher des problèmes. Madame, je vais verrouiller le portail. Vous n'avez même pas de respect pour votre sœur. Pas de respect, aucun. C'est quoi ça? Même votre sœur, vous la respectez pas. Ne sais-tu pas t'occuper de tes affaires? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Madame, mais qu'est-ce qu'il y a? Que je vais m'occuper de mes affaires. D'accord, madame, je vais rapidement. Je ne veux pas de problème avec vous. Angela, est-ce que tout va bien? Tu as soudainement changé d'humeur. Joséphine, ma mère est en train de mourir. Et il lui faut 50 000 naira pour qu'elle commence les traitements à l'hôpital. Quel est le sens de tout ce que je possède comme fortune? Pendant que je ne peux pas prendre soin de ma mère qui est malade, ni de mes petits frères et ma sœur. Joséphine, tu m'as triquée. Ça, ce n'était pas mon plan. Joséphine, c'est à cause de toi que j'ai brisé le lien de ma famille avec moi. Je sais. Joséphine, qu'est-ce que tu m'as fait? Eh oh. Qu'est-ce que tu m'as fait, Joséphine? Je n'ai jamais su que ça allait être à ce point. Je ne l'ai jamais souhaité. Toute ma vie, Joséphine, j'en ai marre. Assez! Je t'ai entendu. Je n'en peux plus. Je ne veux plus de ça. Calme-toi. J'en ai marre. Calme-toi, allez. Ok. Je comprends ce que tu ressens. Ok. Juste calme-toi. C'est de ma mère qu'il est question ici. Elle a fait tout à son pouvoir pour prendre soin de mes petits frères, sœurs et moi. Joséphine, ce n'est pas comme ça que je dois les payer. Je suis arrivée au bout, Joséphine, c'en est de trop. Je ne suis pas du tout heureuse. Je hais ce que je fais à ma famille. Calme-toi, Angelina, ok? Et laisse-moi te dire ceci. Tu dois te calmer. Tu dois t'apaiser pour ton bien, ok? Et tel que tu es là, n'essaie plus jamais de crier sur moi. Tu es devenue riche. J'ai rendu ta vie agréable. Ce n'est pas du tout juste. Je ne peux pas être heureuse pendant que ma famille souffre. C'est injuste, Joséphine. C'est injuste. Injuste. Ça va aller. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller, Joséphine. Calme-toi. Écoute ce que je t'ai dit. Tout ce que tu dois faire pour l'instant, c'est de te reprendre. Reprendre tes esprits. Calme-toi, ok? D'accord? Tu sais quoi? Je ne peux pas croiser le bras. Avec tout cet argent dans mon compte. Et laisser ma mère mourir. Je veux faire quelque chose. Non. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Je le non, ferai. Non, Angelina.
Rappelle-toi des conséquences. Maintenant, écoute-moi. Je m'en fous des conséquences. Écoute-moi, jeune fille. Calme-toi. Même si tu as envie de les assister, malheureusement, tu ne peux pas le faire. Joséphine, c'est dans quel pétrin tu m'as foutu? Comment ça s'est passé? Mon frère, ma sœur a justement un mauvais cœur. Elle nous a mis hors de sa maison. Avez-vous vu pourquoi est-ce que je me suis dit que je n'irai plus jamais dans cette maison? Ça va aller. Venez rester avec maman. Laissez-moi aller dehors et voir vite ce que je peux faire. Ça va aller, venez. Salut maman, tu iras mieux, d'accord? Hey. C'est notre sœur qui nous a mis hors de sa maison. Hey. Je peux pas me tuer comme ça. Laissez-moi quand même savourer mon jeu. Harrison, que fais-tu avec le plus coûteux de mes vins? Je suis désolé, madame, j'avais juste envie de boire. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu aimes bien le boisson, mais la prochaine fois que tu tousseras encore à ces vins, crois-moi, tu ne m'iras pas ce que je vais te faire. Un vieux fou stupide. Je suis désolé. Désolé pour toi-même. Disparais de ma présence. N'importe quoi. Seras-tu en mesure de l'acheter? Imbécile. Va-t'en! Pouvez-vous imaginer? Sais-tu ce que je sacrifiais pour avoir tout ceci? Tu as vraiment de l'audace. Non, tu ne feras pas de plus de temps. Prenez-le au dépôt, je crois qu'il y en aura assez là-bas. Très bien. Mazi. Onyeka. Je vous en prie. Pourquoi viens-tu en courant comme ça? Bonsoir, Mazi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, Mazi. Problème? Oui, oui, il y a un problème, Mazi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça concerne le fils de votre défunt frère Chijoke. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Ah, mon Dieu. Il a été arrêté au supermarché. Non, ne va pas là-bas. Le Chijoke que je connais ne peut pas voler. Je ne mens pas, Mazi. Tu peux aller à la station de police pour confirmer.
C'est bon, c'est bon. Merci pour l'information. De rien, merci. Mais attends. Chijoke. Voler. Qu'est-ce qui peut l'avoir poussé à faire ça? Ça, c'est un problème très sérieux. Très bien. Hey, tu es ok? Où est parti Chijoke? Est-il parti pour aller chercher de l'argent? Oui, maman. On n'avait que 20 000 naira. Le docteur nous a exigé qu'il ait la totalité pour qu'il commence le travail. C'est pour cela qu'on est allé chercher l'argent. Hey, Angela, j'ai pas envie de te maudire. Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Calme-toi, maman. Dieu. Si ce que fait Angela devant tes yeux est correct, alors je suis d'accord avec ça. Qui représente 50 000 lira ma fille Angela, pendant qu'elle envoie les enfants des autres à l'étranger. Maman, s'il te plaît, ok? Je ne veux pas ça. Tu viens à peine d'être sérieusement malade. Hein? La façon dont tu places, c'est que je ne vais pas, maman. Ne plaît en plus, d'accord? Ne plaît en plus, tout ira mieux. Je ne pleure pas. C'est mon cœur qui saigne. Ah, mon cœur saigne. Ah, attends seulement le retour de mon grand frère. Comme ça, on verra quoi faire. Tous ces dentelles ici sont des méchants. Oncle, bon après-midi, monsieur. Bienvenue. Angela. Angela. Oncle. Angela, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon cet après-midi. Je n'ai pas besoin de tes salutations. Je suis seulement venu te dire que ton jeune frère, Chijoke, était allé là-bas au marché et il est parti voler là-bas au marché. Oncle. Oui. Pourquoi il doit aller voler? Oh. Il est allé très loin. Tu me demandes, moi. Tu me demandes pourquoi Chijoke était allé voler, comme si tu ne savais rien. Tu sais très bien pourquoi il a fait ça. Chijoke était allé voler pour réunir un peu d'argent et aller payer pour le traitement de ta mère. Mais que t'avons-nous fait, Angela? Nous, les membres de ta famille. Oncle, ce n'est pas ce que tu penses. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne sauras comprendre. Hein? Ce n'est pas ce que je pense. Je suis juste venu te dire. Parce que je sais très bien que tu n'apporteras pas l'argent. Tu ne vas pas payer. Chijoke, ton jeune frère, est à la station de police. Alors si tu veux, si tu... pas de problème. Je m'en vais. Oncle, combien doit être déboursé? Oh, pas de problème, oncle. Tu peux partir. Tu peux partir. Mon oncle, on a besoin de combien d'argent ici? Pas de problème, tu peux partir. Bien, au revoir. Ne t'inquiète pas, tu peux partir. Seigneur, Seigneur, c'est qui mon Dieu? Comment ne pas aider mes frères et sœurs? Mon frère est à la station de police maintenant. Hey! Je pensais que Angela avait l'argent. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elle n'avait pas d'argent. Même avec ses voitures, elle n'a pas d'argent. Avec toutes ces voitures que je vois ici, toute cette maison, toute cette villa, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent. Même là-bas, au fin fond de notre communauté, elle a des constructions. Elle n'a pas d'argent. Tu ne peux pas aider tes frères. Tu ne peux pas aider tes sœurs. Elle se crie partout que tu es millionnaire. Non, milliardaire.
Mais c'est encore toi-même là qui donne aux gens partout 5 millions, 10 millions, 15 millions. Mais tu ne peux pas aider tes sœurs et tes frères. Et tu cries partout que toi, tu as beaucoup d'argent. Angela, tu n'as pas d'argent. Tu n'es qu'une pauvre fille. Si tu avais beaucoup d'argent, ton frère Chijoke ne serait pas allé dans un supermarché là-bas pour voler, pour pouvoir payer la facture de ta mère à l'hôpital. Tu n'as pas d'argent. Hein? Tu n'as pas d'argent. Hein? Madame n'a pas d'argent. Qui? Ma patronne. Va m'ouvrir ces portails là-bas avant que je transfère toute la colère qu'Angela m'a donnée sur toi. Idiot. La colère va tomber sur moi. Mais oncle, qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu n'es qu'une personne stupide. Merci, monsieur. N'importe quoi. Vous pouvez partir, monsieur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ma mère est en train de mourir. Mon frère est à la station de police. Ah, quelle est l'utilité de cet argent? Hein? Je ne peux pas prendre soin de ma famille. Je n'ai pas d'enfant non plus. Qu'est-ce que je fais avec, mon Dieu? Seigneur, viens à mon aide, viens à mon aide. Seigneur, je suis milliardaire, mais ma famille est en train de vivre dans une extrême pauvreté. C'est quel genre de vie? C'est quel genre de vie, mon Dieu? Maman, s'il te plaît, maman, pardonne-moi, tu ne sauras me comprendre. Je vis dans un contraste. Joséphine, tu m'as trompée, Joséphine. Mais comment ça? Mais comment quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent comme ça? Elle ne peut pas aider sa famille comme ça. Elle qui a beaucoup d'argent comme ça? Mais pourquoi elle se comporte comme ça? Hein? Tu as beaucoup d'argent, mais quand ta famille vient ici, tu leur donnes rien. Et tu les chasses même. Madame, alors? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. Tu veux que je fasse une crise? Hein? Écoute, j'ai entendu madame en train de pleurer à la maison. C'est quoi le problème? Tu parles maintenant? Je ne parle pas. J'ai tousse. C'est à moi que tu viens demander pourquoi madame pleure. Suis son assistant ou bien son mari, c'est ça? Hein? Suis son assistant ou bien son mari? Ou bien son deuxième mari, ou même son futur mari. Comment veux-tu que tu saches pourquoi elle pleure? C'est toi qui es là-bas avec elle, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas toi qui doit savoir pourquoi elle pleure? Hein? En passant, tu as quand même essayé de parler français aujourd'hui. Es-tu sûr qu'il n'y a pas une petite erreur que tu as commise dans ton français, là? Effion. Madame Effion. Désormais, je ne parlerai plus à la manière des illettrés. Jamais. Si tu veux apprendre à parler français, je suis passée par les bancs de l'école. Viens, je vais t'apprendre. Inscris-toi. Je t'apprendrai le français. Moi, tu as entendu? C'est très bien. Réponds à ma question maintenant. Ta question, hein? Ta question n'a qu'une réponse. Une réponse. C'est maintenant les infos qui commencent. Maintenant là, les infos commencent. Tiens, c'est le journal de ce soir. Le petit frère de notre patronne. Le petit frère de notre patronne. Il est allé au supermarché. Le plus proche. Celui qui est au village là-bas. Il est allé voler. Il est allé voler. Arrête. Effion. Si tu n'as rien d'important à dire, le mieux serait pour toi de fermer cette bouche et de le mettre ici. M'as-tu entendu? C'est quoi ça? Mais dis-moi un peu. Mais dis-moi toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est là que tu mets tes mains. C'est vraiment là que tu mets tes mains. Mazin Fioko. Effionk. Effionk. Tu veux me donner des infections? Pourquoi le frère de madame peut aller voler? Pourquoi? Waouh! Hein? Waouh! Très joli. Tu n'as rien d'intéressant. Mm-hmm.
Très bien, j'apprécie ta question. Tu poses ta question aux yeux de Dieu de notre terre. Ou tu penses que je suis un féticheur? Que je dois savoir? Que je saurai? Que je vais toujours savoir? Comment le petit frère de notre patronne est allé voler au supermarché? Qu'est-ce que tu penses? Tu me prends pour un féticheur? Qui doit tout savoir ici? Tu dois tout savoir, n'est-ce pas? Ou bien je suis là pour répondre à tes questions? Tu me demandes? Ou bien fallait demander à l'oncle de madame qui vient de partir ici? Hein? Tu as dit quoi? Tu as entendu? C'est quoi ce que tu racontes? Tu n'en sais rien. L'oncle de la patronne était ici, alors il est parti, il s'en allait comme ça. Il bougeait comme ça. Quelqu'un partait comme ça. Tu comprends maintenant? Hein? Partez. Ok, laisse-moi t'apprendre. Dis, quand l'oncle de madame est parti d'ici, dis-le. Waouh! Oui, répète-le. Dis, quand l'oncle de la patronne... Non, l'oncle de madame n'est pas parti. Ou bien, il ne partait pas comme ça. C'est comme ça qu'il faisait. Mais lui-là, il n'est pas gaucher. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est parti, mais comme ça. Il est parti, c'est ce que je disais. Tu comprends maintenant? Ok, Efium. Bien. Maintenant que j'ai compris que tu n'as rien à dire, tout ce que je veux que tu fasses, c'est de fermer cette gueule et de le mettre ici. Donne-moi ma bouche. Ramène ma bouche. Je dis ramène ma bouche ici. Mère, ma mère est gravement malade. Elle est allongée à l'hôpital. Je veux l'assister, je ne veux pas que ma mère meure. Prends-moi de l'assister même une fois. Non, elle ne doit pas mourir. J'aurais souhaité que ça soit possible. Tu as pris ta destinée dans tes mains depuis le jour où tu as lavé tes mains dans la calebasse des clubs de sœurs. Tu ne peux pas les aider. Pas du tout. Est-ce que je peux au moins dire à Joséphine de m'aider à régler la facture de l'hôpital? J'ai dit non. Ça, c'est de la méchanceté. Je dois donc laisser ma mère mourir avec tout cet argent que j'ai? Non! Joséphine ne m'avait pas prévenue. Joséphine ne m'a rien dit de tout ceci. Non! Ne sors plus un mot. Ou tu veux offenser ma Maudou? La conséquence serait la mort. Peu importe, ça m'est égal. Je m'en fous! Oh! S'il te plaît, fais vite, je t'attends. On arrive. Je t'en prie, fais vite, on y va, marche vite. Hey, les filles, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Aviez-vous entendu? Entendre quoi? Hey. Oh, donc tous les deux vous êtes dans ce village et vous n'êtes pas informés? Vous ne savez donc pas que Chizuke, le frère d'Angelina, s'est rendu au supermarché pour voler? Hey! Oui! Voler. Es-tu sûre de ce que tu racontes? Je suis très sûre de ce que je dis. Mais attends, comment tu qui peux faire ce genre de choses, tandis que ça sert à trop d'argent? Angelina est une patronne. L'argent! Oui, j'ai appris que ça sert à beaucoup d'argent. Mais malheureusement, il ne les aide pas. Es-tu sûre de ce que tu dis? Parce que l'Angelina que moi je connais a un banqueur. Quelqu'un qui a l'argent. Mais il n'arrive pas à aider sa famille. Son argent ne sert à rien. Hein? Son argent ne sert à rien. Allons-y. C'est ça, vraiment. Allons-y, partons. Mon fils, Romanos. Il y a une chose que je vais te demander. Comment est-ce que c'est comme ça? Je veux dire, comment quelqu'un peut être sorcier? Tu as la possibilité de prendre soin de ta famille, mais tu ne le fais pas. Tu as beaucoup d'argent, mais tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille. Personne de ta famille profite de cet argent. Comment est-ce que ça marche? Es-tu en train de parler d'Angelina et comment elle n'aide pas sa famille? Maman, oui! Oui! Comment est-ce qu'Angelina, avec beaucoup d'argent, et que sa mère souffre dans les lits d'hôpital, mais elle ne peut rien faire? Elle ne peut pas aider sa maman, elle ne peut pas aider personne dans sa famille. Mais dehors, elle donne l'argent et les gens commencent à chanter bébé Angé, bébé Angé, bébé Angé. Et là, elle donne beaucoup d'argent. Les gens l'honorent partout. Elle distribue l'argent comme ça dans la rue, mais personne dans sa famille ne profite de cet argent. Tu n'es qu'une.
Mon fils, c'est étrange. Je suis vraiment confus. Franchement, je ne comprends rien. J'ai juste pitié de la mère. J'ai pitié d'elle. La pauvre. Angéline a fait des bonnes choses qu'à l'intérieur, pendant que sa famille est en train de souffrir. Oui, elle n'est bonne qu'à d'autres personnes. Oui, on va commencer à l'appeler irresponsable. Mon fils, c'est très compliqué. Ouais. Bénis juste Dieu. Maman, tu vois la chose que je n'ai pas épousé cette femme. Si jamais je l'épousais, peut-être elle allait faire de moi un agent de sécurité. Je ne sais pas, peut-être je serais un tablier. Ou une cuisinière, ou encore je ne sais pas quoi. Mais elle allait faire de moi un esclave. Elle allait faire de moi un instrument. Oh, je suis contente maintenant que tu commences à réaliser tout ce que je te disais au sujet d'Angelina. Elle n'est pas la fin de ton monde. Tu as raison. Et maintenant, je suis en train de manger mon foufou là tranquillement. C'est ça. Hey. Tu es gentil. Tout est venu me voler et voler. Étais-tu obligé d'aller jusqu'à l'extrême pour sauver ma vie? Et si tu mourais pendant le processus, tu crois vraiment que j'allais survivre? Ah. Maman, je n'ai pas le choix. Je ne pouvais pas m'attarder, te regarder et mourir. Je vais faire ce que j'ai fait. Hey, mon fils, pas ça. Pas jusqu'à ce niveau, est-ce que tu t'es au moins regardé? T'es bon la classe? S'il vous plaît, amenez-moi chez Angela. Oh, s'il faut que je meure, maman, je mourrai là-bas, je vous dis, amenez-moi chez Angela. Arrêtez ça, je veux aller chez Angela. Maman, je ne sais pas aller là-bas. Je ne veux pas, tu l'as sauvé. Izuna, amenez-moi chez Angela. Je ne changerai pas d'avis, amenez-moi chez elle. Qu'est-ce qu'elle a retenu? J'ai dit à ses gardiens de l'appeler. Que tu t'inquiètes pas. Maman, je suis fatiguée. Venue de temps en temps. Oui, la patronne est là. Ma sœur, bonjour ma sœur. Maman, peux-tu te déplacer s'il te plaît? Je cours derrière les dents. J'ai rendez-vous s'il te plaît. Angelina, tu rouleras sur moi. Roule sur moi avec ta voiture et mets fin à cette souffrance. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée de m'occuper des gens de ce village. Je n'en peux plus, Angelina. Tue-moi. Maman, je sais que nous avons des problèmes récemment. Mais ça, ce n'est pas la bonne manière de le résoudre. Tu sais quoi? Tu peux rester dans la parcelle. Il est temps pour moi de répondre à ces rendez-vous. À mon retour, je te trouverai ici, ok? Angelina, détrompe-toi. Je ne bougerai pas d'ici. Je n'irai nulle part, je t'ai dit. Qu'est-ce que c'est? Quel mal t'ai-je fait que tu ne peux pas pardonner? Quoi? Angelina, qu'est-ce maman, que s'il c'est? Te plaît. Ne commence pas, s'il te plaît. Non, je vais commencer. Non. Angelina, je vais commencer. Tu sais quoi? Utilise ta voiture pour me rouler dessus. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée de cette souffrance, maman, c'est Angelina. Bon, maman. C'est bon. Je lève la aimée à côté. Maman, elle est partie. Elle va rentrer maintenant. Allons-y à la maison. Que tu? N'essaie surtout pas. Maman, arrête, maman. Ne touche pas, je te dis. N'essaie pas. Tu me dis que je l'ai dit, maman. Ne pousse pas cette pièce, laisse-moi qu'elle me roule dessus. On va l'attendre. Quand Angelina me roule dessus, je ne bougerai pas d'ici. Maman, c'est bon. Maman, elle est trop dans sa maison. Elle serait de retour, maman. Elle serait de retour. Qu'est-ce que je fais du mal, Angelina? Elle rentrera bientôt jusqu'à toi. Maman, ne t'inquiète pas, hein? Elle serait de retour. Maman, depuis longtemps qu'on est ici, hein, ma soeur n'est pas encore revenue. Elle ne veut même pas qu'on entre à la maison. Hein, maman, on va seulement l'attendre ici. Maman. Ketchi, je n'irai nulle part. Je resterai ici jusqu'à ce qu'Angelina revienne. S'il faut que je meure, je mourrai dans la maison d'Angelina. Maman, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, maman. Tu ne mourras pas. Tout ira bien, d'accord? Ok. Maman, madame vient juste de m'appeler. Elle a dit que
que je vous dise que elle est partie avant qu'il ne revienne. Elle ne veut pas vous trouver ici. Appelle ta patronne. Dis-lui que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce qu'elle revienne. Je ferai une année s'il le faut. Je ne bougerai pas d'ici. Madame, vous n'allez pas rester ici pendant une année. Oh. Pourquoi? Vous aurez un nouveau bâtiment ici. Je suis là. Je ne partirai pas, je t'ai dit. Vous voulez pas partir? Appelle ta patronne, je n'irai nulle part. Maman, on doit juste partir. Maman, nous devons partir. Qu'est-ce que tu... Ne pousse pas, ma chaise. Ne me pousse pas, je maman, t'ai dit. J'ai entendu ce qu'il a dit. Ma soeur a donné des ordres. Nous devons aller, Kechi, maman. Je mourrai si j'ai tout à voir, Angelina. Maman, je n'irai nulle part. S'il faut que je meure, maman, je allons-y, mourrai. Allons-y, maman. Vous voulez que je parle de mon travail ou quoi? Madame a déjà dit que vous devez partir. Maman, c'est quoi? N'épouse pas, ma chère. Je t'ai dit, arrête ça, Kechi. Nous devons juste partir. Non, laisse-moi. Maman, dégagez-vous. Laisse-moi mourir, Angelina. Je ne partirai pas. Maman. Tu es avec ces pantalons? Tu t'enfiles à tout moment. Hein? Tu veux être servie, attends. As-tu constaté quelque chose? Quoi? Tu vois notre madame. Je ne la comprends plus. Oh. Hein? Madame a fait quoi? Depuis que sa famille a commencé à faire des tours ici, elle ne veut pas les aider. Elle ne leur donne pas à manger, ni à boire. Même pas les aider avec l'argent. Pourtant, elle aide les autres personnes. Et même quand sa maman était venue ici récemment, elle n'a même pas fait cas de sa mère, cette femme. Je ne la comprends pas. Oh. Tu sais, la patronne dont nous parlons maintenant là, je ne l'ai pas vue, ça fait très longtemps. Je fais seulement comme si je ne voyais rien. Oh. Pour tout ce qui se passe ici, je fais seulement comme si je ne voyais rien du tout. Notre patronne, sérieusement, elle m'étonne. Oh. Je ne comprends pas ce qu'elle fait avec son argent. Quand je vais lui dire, madame, ta famille est là, mais elle ne veut toujours pas les aider, je ne comprends pas. Même un peu d'eau, même les laisser seulement entrer ici dans la parcelle. Et madame ne veut toujours pas les faire entrer. L'autre fois, la patronne voulait même tuer sa mère ici. Je ne savais pas. Je savais pas ça. Je suis étonnée, non? Elle a failli tuer sa maman avec sa propre voiture. Elle a commencé à crier. Sortez de chez moi! Sortez de chez moi! Partez d'ici! Elle a failli tuer sa mère avec sa voiture. Toi avec la nourriture. Toi pour manger. Tu veux le préparer pour moi? Moi-même là, je suis venue ici seulement pour me faire un peu d'argent. Et je vais retourner à mon village. Tu connais le village d'Inkaraba? Ça veut dire quoi? Tu ne connais pas ça, les visages de Nkaraba, c'est bien connu. Mbosinson. Mbosinson, la communauté. La communauté Mbosinson. Mbosinson, comme si tu voulais chanter. N'oublie pas. Oh, okay. La communauté Mbosinson. Attends, un instant. Essaie un peu de le peler. Est-ce que tu peux le peler? Tu penses qu'on apprend à épeler maintenant ici, quoi? Épellation, comme si je voulais épeler, c'est ça. Essaie de le peler. Que je pèse cela. P-P-O, comme le wouhouhou. Ils m'aident même pour l'épilation. Écoute, travailler tant que bonne dans cette maison ne veut pas dire que je ne suis pas passée par le banc de l'école. Tu m'as entendu? Des sottises. Je ne pense pas que toi là, tu as terminé l'école. Même ton papa, il a payé tous les frais, mais toi, tu as fui. Oui, je le sens. Je sais que toi là, tu n'as même pas terminé ton école. Tu ne peux pas être professeur. Si tu le fais, ça veut dire que tu le fais au portail. Professeur du portail. Je voulais te donner quelque chose. Madame m'avait dit de te donner quelque chose. Allons à l'intérieur. Madame, tu as dit que je dois me donner quelque chose. Elle m'a dit ça hier, avant de partir. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Écoute, ça veut dire que c'était à moi. Et non à toi. Tu as entendu? C'est madame qui m'a demandé de te donner ça. Mais pourquoi tu ne veux pas? Je le dirai à la patronne. Madame va entendre ce que tu as dit maintenant là, toi. Madame le saura. C'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Suis-moi. Okay. Suis-moi, mon ami. Mais qu'est-ce... Mais suis-moi, non. Tu ne peux pas voir ce que j'ai pour toi. Qu'est-ce que tu viens de faire maintenant? Qu'est-ce que tu viens ça, de faire? Ça vient du village. Tu vois ce que je sens là, Chez nous, là-bas, on ne blague pas. Quand ça sort de grave. On ne plaisante pas, c'est vraiment original. Chez nous, c'est comme ça. Ce que j'ai fait là, d'ailleurs, c'est rien. Mais tu fais... C'est rien, d'ailleurs. Covenant keeping God, Yahweh, Yahweh, the covenant keeping God, Yahweh, Yahweh, covenant keeping God.
Je ne sais pas ce qui se passe avec ton frère Jésus. Il est devenu par ici. Je lui avais dit d'aller chercher le bois de chauffage avant de partir, mais il n'a rien fait. Hey. Ah. Maman, dis-moi, c'est la bienvenue. Ma fille, Oh. Maman, merci. Maman, elle a tout fini, maman. Angelina. Hey. Angelina, ma fille. Mais dis-moi que tu as fini de vendre à cet homme. Maman, c'est fini. Maman, tes prières marchent avec feu. Tu ne croiras pas. Hey. Hey. Le fait du Saint-Esprit. Maman, dès qu'on est arrivé au marché, c'était Romanus, donnez-nous les riz avec les haricots, les riz, les haricots, les riz, les haricots, boum, tout était fini. Que Dieu soit loué. C'est pas grave. Hey. Que Dieu soit loué. Bienvenue ici. Maman, je t'ai apporté quelque chose. Hey, quoi? Ma sœur, je dois être la seule personne à être considérée dans cette maison. Je suis ta petite, tu sais. Pas seulement, moi je t'ai apporté quelque chose. Qui l'a dit? Maman n'est pas la seule petite sœur. Mais voyez-moi celle qui parle, fille sœur. N'est-ce pas telle que je suis là, c'est moi, sa maman. Oh, oh. Hein? Je suis sa sœur. S'il te plaît, donne-moi ce que tu m'as apporté. Ma sœur, ce que tu fais n'est pas du tout bon. D'autres personnes prennent bien soin de leur petite sœur. Mais toi, tu aimes bien m'écarter, je ne sais pas pourquoi. Ah, Katie, je te sais apporter quelque chose avant que tu ne me crucifies. Ouvre ce bol-là. Ça, il a du Laisse-la bon. D'abord aller mettre le chariot maman, derrière. Maman, tiens ça. Hein? Je reviens, okay. Maman, je reviens. Hey. Je reviens. Oh. Hmm. Non. Maman, en fait, je vais commencer à prier avec toi chaque minuit. Maman, s'il te plaît, t'inquiète. Prie avec moi. La prière marche. Maman. Dieu ça entend marche nos bien. Prières. Je me donnerai la force pour prendre soin de toi. Maman, tu ne souffriras pas. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Tu mangeras les fruits de tes entrailles. Je vais continuer à prier pour toi. Maman. C'est ça, ma fille. Amen. Et Dieu nous entendra. Amen. Oh, Amen, ma fille maman. Chérie. Amen. Prends le biscuit. Ketchi, tu avais dit que tu avais fait une alliance avec moi. Tu avais promis que tu allais m'aider à réaliser le bien et tu feras ta part. Parce que tu sais que je ne peux rien sans toi. Parce maman, que tu es Dieu. Maman, qu'est-ce que c'est? Et tu es juste. Maman, je t'avais dit d'arrêter. Hein? Maman, arrête de pleurer. Hein, je te le demande, s'il te plaît. Maman, calme-toi. Je n'aime pas trop ce que tu te fais, maman. Tu te blesses. Maman, tes peines brisent mon cœur. Maman, calme-toi. Je sais que le diable me combattra. Il ne me vaincra jamais. Plus il me combattra, plus je resterai accrochée à toi, mon Dieu. S'il te plaît. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je sais que tu es là, mon Dieu. Parce que ta parole. Maman, s'il te plaît. Maman. Maman. Pourquoi est-ce qu'Angelina me fait ça? Pourquoi? Après toutes ces promesses, pourquoi est-ce qu'elle nous a tourné les dos? Pourquoi? Je me rappelle que j'avais vendu tous mes biens. J'avais vendu tous mes produits agricoles pour pouvoir payer le frais scolaire. Angelina, je me rappelle qu'après l'accident que j'avais connu, j'ai dû vendre tous mes bails pour qu'Angelina commence avec son business de restaurant. Pourquoi fait-elle ça? Maman, tu avais fait ce qu'une maman pouvait faire. Maman, s'il te plaît, je te demande de te calmer. Maman, maman, partons de ta condition, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-le débrouiller. Il ne me tuera pas. Le soleil m'a faibli. Mais Dieu, tu es ma force. Maman, j'aime pas du tout ce que tu as trouvé. Tu as toujours des enfants. Yeah.
qui prennent soin de toi. Non, calme-toi. Yahweh, Yahweh, des convenants qui piquent. Maman, calme-toi. Yahweh, Yahweh. Maman, arrête de pleurer. Maman, si vraiment tu veux considérer comme ta propre fille, arrête de pleurer. Des convenants qui piquent. Maman, s'il te plaît. Mon cher frère, tout ira très bien. Je vais très bientôt revenir en ville. Chef, il serait très important que tu viennes. Vous savez que vous êtes à la tête de l'Union. Ils ont tort, merci beaucoup. Ils ont tort que vous restiez dans ce village. Vous avez abandonné vos affaires. Tu as raison. Mm-hmm. Chérie, tu es la bienvenue. Mm-hmm. Je te présente Fred. Fred est le secrétaire de notre union. Enchanté, là-bas, madame. Là-bas, en ville. C'est pourquoi il a l'audace d'ouvrir sa bouche pour parler. Attends un peu. Mais pourquoi tu lui as servi les plus coûteux de mes vins? Je suis désolé, chérie, je suis désolé. Désolé pour toi-même. Tu sais quoi? La prochaine fois que tu inviteras quelqu'un ici à la maison, sans mon consentement, j'en finirai avec toi. Et toi, sors de ma maison. Fred, tu as entendu ce que ma femme vient de dire? Va-t'en! Mais chef, on n'a pas encore fini notre conversation. On a tellement de sujets à se parler. Allô? Es-tu stupide? Hein? Ma femme a dit que tu devrais partir. Ou bien, ce que tu veux, c'est en finir avec mon mariage? Très bien, chef. Je vais partir, comme vous le voulez. Oui, pars. Excuse-moi. Donc, tu veux briser ce que Dieu a uni, c'est ça? Ce n'est pas ce que vous pensez, madame. À quoi je pense? Tu veux que je quitte mon mari pour que j'épouse tes ancêtres? Pas vraiment. Oh non! Sors de ma maison! Pas de problème, chef. Je suis parti. C'est ça, va-t'en. Bonne journée à vous. Macaque, n'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait marrer? Je suis désolé, chérie. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui sourit avec toi? Chérie, je suis désolé. Désolé pour toi-même. Tu sais quoi? Dépose ce vin et débarrasse la table. Ok, c'est comme si c'était mon dîner est déjà prêt? Bien sûr, je te sers aussi le dîner. Tu veux que je débarrasse quoi la table? Essuie la table et apporte-moi mon dîner. Encore mieux, apporte-moi de l'eau. Dépêche-toi. If you have a bed but you can't sleep, what's the use? If you have food but you can't eat, what's the use? If you have the cash to buy everything but the ones you love are suffering, what's the use? What's the use? A life without joy, what's the use? It's no use to have wings but you can't fly. No use to feel pain. Frère, je suis fatiguée de cette histoire. Je veux dire, depuis que grand frère Harry s'est marié, il refuse de venir nous rendre visite et il ne veut pas qu'on aille le voir. C'est ça même le problème. Très bien, on va chercher un jour pour aller lui rendre visite. Dis-moi, j'aurais savoir le pourquoi il a abandonné sa famille pour les mariages. Oh. Il doit me le dire en face. Hein?
Tu n'as pas besoin de te déranger. J'irai là-bas demain pour lui rendre visite et savoir de quoi il s'agit. C'est une très bonne idée. En fait, quand tu le verras, dis-lui qu'on a besoin de lui. Il faut vraiment que tu lui dises qu'on a vraiment besoin d'argent. Toi-même, tu vois la manière dont nous vivons. Je ferai tel que tu dis. Madame, je voulais seulement vous rappeler l'argent que vous avez dit que vous allez ajouter sur mon salaire là. Je n'ai pas encore vu ça. Oui, je le parle pour tes funérailles. Pour préparer mes funérailles maintenant là. Oui. Vous voulez? Je dois prendre une avance, madame. Bien sûr, c'est parce que tu es inutile. Waouh! Madame. S'il vous plaît, tous mes dés se sont abîmés. J'ai besoin d'argent pour les remplacer. Chérie? Où est-ce que tu vas? Je vais me trouver un truc quelque part vers Nyadba là-bas. Ne peux-tu pas sortir et te trouver ce dont tu as besoin? Chérie, ça va paraître bizarre, non? Qu'est-ce que les gens vont penser quand ils me verront marcher là dans la rue? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce que les gens diront ou ce qu'ils penseront? Va déposer quel contact. Tu fais le pied jusqu'où tu veux aller. Rentre déposer mon clé de contact. Va le déposer. Pouvez-vous imaginer? Il a l'audace de sortir et veut rouler mes voitures de luxe. Tu fais le pied d'où tu veux aller. C'est ton affaire, ça ne me regarde pas. Et vous, le volaille, déguerpissez de ma présence. Je dois voler. Entre dans la tombe. Madame, vous ne m'avez pas répondu. Va-t'en! Oh, très bien. Je vais rentrer dans mon village et voir mes frères et sœurs. La saleté comme ça. La saleté partout comme ça, c'est quoi ça? Qui est là? Qui? En fait, vous savez pas parler ou quoi? Mais qui est là? Qui frappe à la porte comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Bon après-midi. Madame, c'est vous qui frappez? Oui, c'est moi. Avec la tête que vous avez là. Mais, est-ce que c'est normal? Désolée, je suis venue voir le chief Harris. Est-il là? Hein? Voir qui? Es-tu sourd? Je dis que je suis là, j'ai besoin de voir le chief Harrison, puis-je entrer? Waouh! Tu finis de parler directement? Tu viens entrer? Donc c'est comme ça que tu fais? Dis-moi, c'est ça? Tu viens chez les gens comme ça et directement, tu viens entrer? Non, dis-moi, c'est ça? Tu viens entrer chez les gens comme ça sans permission? C'est sans une permission. Question, monsieur. Est-ce que je peux entrer? Tu vois ta question là? Tu la poses pas comme il faut. Tu sais même pas comment ça fonctionne ici chez nous. Ma patronne là. Oui, ma patronne. Elle dit toujours que personne ne peut entrer ici sans son consentement. Si tu n'as pas la permission, il faut avoir au moins la carte d'invitation. Comme tu veux au mariage. Tu présentes la carte d'invitation. Sans cette carte-là, tu ne pourras jamais entrer dans la salle de mariage. Oui, madame dit que personne Mais ne peut entrer ici sans homme. Sa permission. Laissez-moi aller demander la permission à ma patronne d'abord. C'est comme si tu n'as pas entendu ce que je dis. Je viens de dire que je suis là pour voir le chief Harrison, mon frère. Et tu es là en train de raconter de bêtises. Si tu parles encore ainsi, tu vas voir tes ancêtres. Hey. Ou quoi? Même si c'est lui ton frère. Mais la maison ici ne lui appartient pas. C'est moi ici. La porte ici est à moi. Mon ami, ouvre-moi cette porte et laisse-moi voir mon frère. Es-tu malade? Allez où? Qui va te laisser passer ici? Je sais là, je parle à la patronne d'abord. Hey! Dans la maison de mon frère. Ok. Je suis là, j'attends. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Madame. Désolée, madame. Il y a une femme là-bas dehors qui est un peu grasse comme ça. Elle dit qu'elle veut voir le patron. Une femme?
Qui est-elle? Je ne sais pas, oh. Tu ne sais pas? Es-tu là pour me dire qu'il y a une personne qui veut me voir? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh, madame. Désolée, madame. Madame, elle m'a dit que... Elle a dit que elle est la sœur du patron. La petite sœur du patron, madame. La sœur d'Harrison? Oui, madame. Tu sais quoi? Rentre là et dis-lui que je ne veux pas le voir. Je ne l'ai pas invitée, je n'aime pas de visite surprise. Chez moi, je n'ai pas un rendez-vous avec elle. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Harrison non plus ne l'a pas invitée. Rentre lui dire que personne ne veut le voir, nous ne voulons pas le voir. Ok, très bien, madame. Ok, merci, madame. Non, entre à la télé. D'accord. Fou que tu es. Enfin, te voilà. Est-ce que je peux entrer? Je peux aller voir mon frère? Ne parle pas comme ça. Avec audace comme ça. Si tu veux sortir de la clôture, laisse-moi te dire quelque chose. Madame a dit ceci. Tu ne peux pas entrer aujourd'hui. Oh. Parce que tu n'as aucune invitation. Tu n'étais pas invité ici. Tu viens chez les gens seulement comme ça. Et comment tu veux qu'on te laisse seulement comme ça? Donc tu ne peux pas entrer aujourd'hui. Attends. Est-ce que tu as dit à ta patronne que l'unique sœur du chief Harrison est là? Ou si tu es allé lui raconter de bêtises? Je n'ai pas dit à madame que tu es la seule sœur du chief Harrison. Je ne lui ai pas dit ça. Mais ça, c'est quel genre de question ça? Qu'est-ce que tu me dis comme ça là? C'est toi qui me donnes des ordres maintenant là. Hein, c'est toi? J'ai déjà tout dit. Tu peux partir. Donc ta patronne a dit que je ne peux pas entrer? Oh mon Dieu. Tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit ici. Tu peux partir maintenant. Ok. La patronne c'est a pas dit un problème. Tu peux partir. C'est pas grave. Très bien. C'est pas grave. J'ai entendu dire que ma sœur était là aujourd'hui. Est-ce vrai? Oui, elle était là, mais nous n'avions pas rendez-vous avec elle. Elle aurait dû appeler avant de venir. Exact. Tu as vraiment raison. Elle n'aurait pas dû venir sans être invitée. Exactement. Ouais. Mais où est-elle? Comment je suis censée le savoir? Certainement, elle était partie. Chérie, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait. Ça, c'est mon amour. Oui. Désolée, depuis que tu es rentrée, d'où tu t'es allée te trouver ce dont tu avais besoin? Est-ce que tu as fait le ménage? Rien du tout, hein. Pourquoi? Salut, madame. Où est-ce que tu vas avec ces habits? Je vais aller les laver, madame. Passe-le-lui. avec tout le plaisir. Madame, cher Harrison, va les laver. Je rassure-toi de bien je les laver. Le D'une façon romantique. Exact, ouais. Exact. D'une façon très sexy. Un lavage sexy. Oui, oui. Et dès que tu finis de les laver, ce sera l'heure maintenant d'aller nous laver sur les lits. D'accord? Magnifique. Très bien. Ça, c'est mon amour. Mais madame, justement, je voulais les laver. T'ai-je demandé de m'aider, moi? Pourquoi te mêles-tu pas de tes affaires? Oh. Suis-je en train de me plaindre? Désolé, monsieur. Va faire quelque chose d'autre. Arrête de faire palabre. Ah, ah. Désolé, madame. Alors... Jennifer, depuis que tu es rentrée, tu n'as rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Ma soeur, n'importe quoi que tu me dis maintenant, je veux croire. N'importe quoi que tu vas dire maintenant, je veux croire. Tant que l'argent est signé, tu ne peux pas me dire que tu es allé à la maison de Borda et tu es rentré, tu es assis comme ça. Comme si tu as vu le doudou en et, j'espère que tu n'as pas encore touché ma part. Tu sais que je blague pas avec mon argent. Mais ça, c'est pas possible. Oh Dieu. Quel argent? Peux-tu imaginer que cette femme ne m'a même pas laissé entrer dans la parcelle? Elle a demandé au portier de me dire que je suis allée sans pour autant être invitée. Peux-tu imaginer? Mais ça c'est pas possible. Comment une femme qui s'est mariée dans notre famille t'empêche d'entrer dans la maison de notre frère? Ça ne se fait pas, c'est pas possible.
Je sais que tu ne me crois pas, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quel genre de stupidité? N'importe quoi. Ça, c'est une abomination. Au jour de mon école primaire, j'appelle ça de la bêtité. S'il te plaît, tel que je suis là, j'ai déjà du mal de tête. À chaque fois que je parle de choses sérieuses, je n'apprécie pas quand tu te mets à parler ton français bizarre. Jennifer, calme-toi. Tu vois la femme là. Je vais lui dire que je suis tonton Marc. Tu connais tonton Marc, non? Quand tonton Marc est en route, quand il se fâche, le frein lâche. Quand le frein lâche, c'est quoi la suite, le deuil? Je vais lui montrer. Tu sais quoi? Va là avec toi la prochaine fois que tu pars. Ça sera bien. Je vais aller montrer à la femme là que je suis tonton Marc. Et quand mon frein lâche, quelqu'un meurt. Tu as intérêt à le faire. Si je lâche le frein là maintenant. Tu as vraiment intérêt à le faire. Ha. Harris, ne m'as-tu pas entendu t'appeler? Non. Si seulement je t'avais entendu, je t'aurais directement répondu. Très bien. As-tu fini de laver les dessous que je t'avais donné? Oui, bien sûr, j'ai presque fini. Ok. À part seulement ceux que tu as enlevés hier soir. Je devais le tremper avec du javel, tu sais. Il y avait une substance dessus. Comment oses-tu le dire en ma présence? Je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Désolé. Tu sais quoi? Désolé. Rentre à la maison, les laver. Dès que tu finis, tu sors pour nettoyer ces véhicules. Ok. N'importe quoi. Comment oses-tu le dire devant moi? D'accord, chérie. Très bien. Des sottises. Que la foudre s'abatte sur toi! Donc tu as soudainement transformé mon frère en un esclave? Je peux voir que tu deviens folle graduellement. Donc après que j'étais renvoyée de ma maison, tu as toujours l'audace, le courage de revenir ici avec ton malheureux de frère. Hein? C'est quelle bêtise ça! Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Écoutez, je ne vous raconte aucun mensonge. Qu'est-ce que vous venez faire au juste entre la conversation d'un homme ainsi que de sa femme? Hein? Si j'ai décidé de laver ses habits, ça me concerne moi. Ça ne vous concerne pas. Hein? Écoutez, arrêtez de me dire ce que je suis censé faire. Non, grand frère, ça c'est pas respectueux, c'est la folie. Mais ça n'a pas de sens. Mais comment est-ce que tu peux être esclave dans ta propre maison? Tu n'es pas venu ici pour gâcher mon mariage. Si tu sais d'où tu viens, alors retourne-y maintenant même. Quoi? Je ne comprends pas. Vous l'avez entendu? Sortez de ma maison! Ça ne se passera jamais dans cette vie. Je te le promets. Oh, ah bon? Attendez, vous allez voir. Efiang! Grand frère, tu as entendu ta femme? Efiang! C'est elle qui donne les ordres dans ta maison? Madame! Bien sûr que je ne suis pas sourd, mais ouais! Hein? Efiang! Je suis là. Mettez-moi ces sales bêtes dehors de ma parcelle. Waouh! Puisque vous partez, vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça va quoi, grand frère? Écoutez, si vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous, vous ferez mieux de partir maintenant et ne plus revenir ici. Mettez-les dehors! Oui, mon Dieu. Allez, monsieur, ça fait. Tu peux imaginer. Mais s'il vous plaît. Pousse-les dehors, qu'est-ce que tu attends? Tu vois comme ton corps n'est pas complet. Si tu me connais, cette tête-là sera entrée dans les coups. Frappe-le! Oh mon Dieu. Efiang! Laissez-moi faire. C'est bon, on a compris. Tu peux encore rester ici. On y va. Tu ne peux rien faire. Mais tu vois ça? Je suis un héros dans l'ombre, moi là. Je reviendrai à côté. Tu ne peux rien faire. Attendez, toi, vous allez voir. Sors de ma parcelle. Toi, allez dehors. Ce n'est pas fini. Allez-vous-en. 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 En quoi cela te concerne? Va te trouver une femme. Marie-toi. Toi, là, je vais t'arracher la tête. Tu penses que tu peux m'intimider? Oui, va-t'en. Va-t'en. Mais cette femme est en train de tuer mon frère. Peux-tu imaginer? C'est de cette façon qu'elle a dominé notre frère. Ah, nous devons trouver un moyen pour libérer grand frère. Pendant qu'il est encore temps. Parce que cette femme a vraiment envoûté grand frère. Il ne réfléchit plus bien. Comment est-ce que grand frère peut abandonner sa maison en ville et aller s'installer avec cette sorcière au village? Qui peut faire ça? Hey! Chineke! Jennifer, ne t'inquiète pas. Nous allons trouver une solution à ça. Nous devons trouver une façon de libérer notre frère de la main de cette folle. Nous avons intérêt. Ne t'inquiète pas.
Nous devons le faire très rapidement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ne t'inquiète pas, entre dans la maison. Pasteur, s'il te plaît, tu dois m'aider. Cette femme a ensorcelé mon frère. Il n'est plus le même. Il a changé. Je t'en prie, aide-moi. Madame. Oui, monsieur. Vous savez, avec Dieu, tout est possible. Je le sais. Pendant que vous me parliez, le Saint-Esprit m'a soufflé que le chiffre Harrison est sous un fort envoûtement. De très fortes fatalités. Je le savais, pasteur. Je le disais. S'il te plaît, pasteur, aide mon frère. Délivre-le, je t'en prie. Nous devons prier, madame. D'accord, nous devons pasteur. Vraiment prier. Laissons ces problèmes oui, entre pasteur. Les mains de Dieu. Fight my battle, fight my battle. Holy Ghost, I have to fight my battle. Fight my battle, fight my battle. Holy Ghost, I have to fight my battle. Fight my battle, fight my battle. Holy Ghost, I have to fight my battle. Fight my battle, fight my battle. Holy Ghost, I have to fight my battle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, nous te louons, nous te remercions. Merci, que toute Seigneur. La gloire te soit rendue, que tout l'honneur te soit rendu, car oui, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oui, mon Dieu. Père, voici que nous venons te présenter Personne les problèmes de ton enfant. Trouve une solution. Lève-toi, donne Dieu. Une solution, Seigneur. Lève-toi. Nous te prions. Harrison, Harrison, le feu. Le feu. Je me brûle. Harrison, qu'est-ce qui se passe? Ça sent le feu. Qu'est-ce que j'ai en main? Qu'est-ce que je fais? Moi, nettoie la maison. Moi, Chief Harrison. C'est quoi comme madame. Ça hey, madame. Madame. Oh. Hey, le feu, hey. Le feu. Madame de la folle. Madame. Le feu. Le feu. Hey. Ça brûle. Hey. Ça brûle par ici. Ça brûle. Ah. Ça brûle. Madame, ça chauffe là-bas. Oh. C'est quoi? Ça chauffe là-bas. Eh ben, oh. Hein? Le feu. Toi. Madame. Hey. Hey. Le vent. Hey. Madame. Madame. C'est quoi là-bas comme ça? C'est quoi? Non, attendez, attendez. Madame. Ouvrez. Madame. Ouvrez vos yeux. Calmez-vous. Ouvrez les yeux. Madame. Hein, maman, regarde. Tu vois celle-ci, ça c'est pour la fièvre. Hein? Fais ce que tu veux, s'il te plaît. Maman! Qu'est-ce maman! Que c'est? Maman! Qu'est-ce que c'est, Ifunanya? Ifunanya? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as effrayée. C'est quoi maman? Le problème? Maman, désolée, oh. Nkechi, hein? Est-ce qu'on peut se voir en aparté? Vous n'irez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as besoin de dire quelque chose, dites-le maintenant et ici même. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Maman? Nkechi? Hein? Sœur Antonina est devenue folle. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai le feu de mes yeux. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Maman. Maman, oh, s'il te plaît. Oh, non. Mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Maman, calme. Mes ennemis. Maman, calme-toi. Ils ont réussi. Hein? Dis calme, maman, s'il te plaît. Qu'importe ce qui s'est passé. Angeline est toujours ma fille. Elle est ma fille. Sois tranquille, maman. Maman, maman, s'il te plaît, maman, pardon, moi je te l'ai demandé. S'il te plaît, maman, ne pleure pas, maman. Je t'en prie. Maman, s'il te plaît. Kéti, je t'en prie, commence déjà à partir. Hein? Je t'en prie, ma fille, va là-bas. Va voir ta sœur. Kéti, pitié.
Maman, je te prie, ma allez où? C'est moi cette Angelina là qui doit abandonner maman. Et qui te parle, tu fais un quoi là? Maman, je n'irai pas. Juste maman, calme-toi. Ok, calme-toi maman, calme-toi, d'accord? Calme-toi, je vais aller. Que tu sais, s'il te plaît. Je te prie, calme-toi. C'est ta sœur. Je t'en prie, calme-toi. Nous sommes en train de parler de ta sœur. Nous ne pouvons pas la nier. Pitié, Ketchi, pitié. Je t'en supplie, Ketchi, s'il te plaît. Va maman, voir Ketchi, pitié. J'irai là-bas juste à cause de toi, maman. C'est à cause de toi que je parte. Hein? Hey, prends bien soin de maman, d'accord? Isola. Maman, calme-toi, j'arrive, je t'en prie. Calme-toi, je sais. Ok, Ketchi, s'il te plaît. Hey! Hey! Timo! Hey! Angelina! Arrête de te maman. Oh maman, Dieu. S'il te plaît. Ma fille, c'est pas vrai. J'ai mal. J'appartiens à une société secrète des clubs de sœurs. Oui, un club de sœurs de ténèbres. J'utilise la destinée de quiconque se met en contact avec moi. Jésus! Continue de parler. Quand je leur donne mon argent, je vole leur destinée. Continue, oh, surtout. Ah, c'est pourquoi je suis très riche. J'étais interdit à assister quiconque de ma famille. Oui, de ma famille. C'est pourquoi j'ai laissé ma mère et mes frères et sœurs dans la souffrance. Je n'ai jamais été contente. Maintenant, je suis contente puisque je n'y suis plus. La grande mère est venue. Jésus. Elle ne veut pas que Jésus. Je parle. Je veux parler. Jésus. J'en parle. Jésus. Je veux parler. C'est une richesse maléfique. Elle me menace de mort. Dans le nom de Jésus. Je veux parler. Que tous ces gens qui confessent. Que Jésus Christ est Seigneur. Non, je veux parler. Sera sauvé. C'est le temps que nous devons prier. Parce que l'ennemi est venu avec la bataille. Prions, prions. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, libère ta fille. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée. Délivre-la. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Satan, tu as perdu. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Angelina, c'est ma sœur, t'es revenue. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Oh, oh ma sœur, tu es là, que Dieu soit loué. Sœur Angelina, sœur Angelina, ta maison est en feu maintenant. Ta maison est en feu maintenant. Là-bas, 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 ta maison est en feu. Ta maison est en feu. Allons-y, allons-y, allons-y. Hey, venez, oh, venez vite en tout cas. La maison est en feu. Venez vite, la maison est en feu. Sa maison, oui, cette grande maison est en feu. Le diable est venu prendre sa propriété. Mais il ne peut pas toucher ton âme. Parce que ton âme est très importante maintenant. Ma soeur, ma mère à la maison. Elle est en train de l'éclairage. Tout le monde cause des pleurs. Oui, mon frère, tout le monde va bien, ma soeur. Oui, on est à la maison, nous tous. Allons-y, allons-y. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Maman? Maman? Mais bien, 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 bien. Hey! Maman, j'ai allé le nga matine ke merembo. Ah! J'ai allé le nga matine ke merembo. Maman, qui on a nga matine ke merembo. Asimu, on y a mere kari amonya wendu kouye. Chou, 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 qu'est-ce qui ne finit jamais? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hey! As-tu gagné la loterie? Lorsque je l'ai appris, mon corps était en train de trembler. Dis-le-moi, non? As-tu gagné à la loterie? Partage-moi la bonne nouvelle.
au moment où je te parle, Angelina est folle. Hey. Au moment où je te parle, attends, on l'a ligoté les mains, les pieds et on l'a amené à l'église pour la prière. Hein? Pourquoi hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quoi d'autre que son amour pour l'argent? Maman, Angelina, c'est une cupide. Maman, elle était incapable de se contenter de ce qu'elle avait. Elle est vraiment malade. En fait, le problème de la tête est tellement trop volumineux. J'ai aussi appris qu'elle a utilisé la destinée de toute cette communauté pour s'enrichir. Tu crois, tu... Les gens se précipitaient pour aller prendre les cadeaux. Sans savoir quelle fois tu prends son cadeau, elle prend ta destinée pour toujours. Hey. C'est donc ça. Mais je ne t'ai pas toujours bien saisi, mon fils. C'est arrivé comment? Comment tu le sais? Maman, ils disent que c'est un rituel. Si c'est la sorcellerie, je ne sais même pas comment on fait appeler ça. Tout ce que je sais que ça peut être la sorcellerie, les rituels, tout ce qui peut être maléfique, tout ce qui a trait à des mauvaises choses qu'on peut imaginer. Tous les masses sont unis. Tu veux dire Angelina? Une ritualiste? J'ai appris que dans sa maison, comme les gens disent qu'il y a une histoire mystique et tout a été brûlé par le feu. Tout est resté en poussière. Voilà, maman. Donc, cette résidence a été consumée par le feu. Vraiment, maman. Le diable est un menteur. Il donne à droite pour récupérer à gauche. Mais qu'en est-il de son mari? Vraiment, il fallait me demander comment va son grand-père. Son grand-père là, qu'elle appelle Marie, il s'est enfui. Il s'est en allé. L'homme qu'elle a transformé en esclave, l'homme qui était manipulé à tout moment, il n'avait même pas les mots à dire. Il l'a transformé en esclave. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Une petite fille comme ça, qui a manipulé ses grands-papas. Je ne crois pas à mes oreilles. Oh. C'est ça, maman. Je suis choquée. Oh. Angelina. Non. Dieu t'a sauvée de la mort. Maman. La seule chose qui me réjouit, qui me fait danser en ces moments, c'est tout ce qui m'est arrivé. Je pensais que c'était contre moi, alors que c'était à ma faveur. Oui. Dieu faisait tout de son mieux pour m'éloigner d'elle. Parce que si on était ensemble, je serais peut-être mort. Elle t'aurait dû sacrifier. Oui, Dieu m'a épargné. Si elle n'utilisait pas ma tête, elle allait même utiliser ma virilité. J'allais être impuissant. Je suis choqué. Oh, merci Seigneur. Elle est allée très loin. Angelina est allée très loin. Comment elle peut faire ce genre de choses? Oui, elle est allée trop loin. Tout ça à cause de la cupidité. Si quelqu'un ne se contente pas de ce qu'il a, il devient des victimes de toutes les circonstances. Peux-tu imaginer? Si elle attendait seulement le temps de Dieu, Dieu l'aurait élevé. Mais tellement elle voulait ça aujourd'hui ou demain, raison pour laquelle elle est arrivée jusqu'à ce niveau. Personne n'attend le temps de Dieu. Personne ne veut attendre. On est tellement cupide à tel point qu'on n'arrive plus à se souvenir des bonnes choses. C'est moi, non? Les gens n'arrivent plus à voir les conséquences de ce qu'ils font. Ozubo. C'est ça même. Les gens aiment tes mains. On ne peut que récolter ce qu'on a, c'est comment on est comme ça? C'est l'œuvre de la nature. Non. C'est ça. Je suis tellement heureux. Parce que je sais que c'est une leçon. Prochainement, je ne passerai plus à ça. C'est une leçon tellement qu'on est obligé de l'apprendre. C'est tellement évident. Parce que même si tu es en tête à le faire, ça va toujours te rattraper. C'est pour cette leçon est tellement là pour rassurer tout le monde. Maman, viens, on entre dans la maison. Mon viens, fils, maman, donne-moi juste à manger. Moi, je vais manger. Laisse-moi te servir à manger. Entre dans la maison, maman. Maman, je ne sais pas comment te dire que je suis désolée, particulièrement à toi et Romanos. Je sais que je vous ai causé beaucoup de tort. Je suis désolée, maman. Désolée. Tu étais mal conduit et sur une sorcellerie. Nous sommes au courant de ça. Comme nous, ta famille, on t'a déjà pardonné. La communauté va te pardonner aussi. D'ailleurs, c'est eux qui ont bénéficié de tes biens plus que nous. Maman de maman. Quoi?
Maman, regarde, tiens, tiens, regarde ça. Dis-moi ce que tu vois là. Grand frère, qu'est-ce que c'est? Maman. 5 millions? 5 millions de Negras. Maman, tu te souviens de cet homme dont je t'avais parlé? Du village d'Omado. Cet homme, non? C'est lui que j'avais dit qu'il avait aimé le lit que j'avais fabriqué pour lui. Il avait apprécié mon travail. Oui, je me rappelle. Parfait. Cet homme m'a présenté au prêtre de la paroisse. Et le prêtre de la paroisse m'a donné un contrat, celui de faire toutes les chaises dont ils auront besoin dans la paroisse pendant toutes les deux années. Hey, et cela nageait dans les millions. Ce que tu vois ici n'est que le premier paiement, maman. Timo, les belles choses ne viennent que du Nazareth. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, le vœu de notre défunt père, celui de finir nos études, va finalement se réaliser. Allez vite prendre vos affaires, vous retournez à l'école maintenant. Pas de temps à perdre, les gars. Je suis très contente pour toi, mon frère. Mon Dieu, tu es merveilleux. Un simple menuisier, la menuiserie que tout le monde sous-estime. Maman, Dieu nous a bénis, oh. Sœurette, je vais te donner 500 000 Naira pour que tu commences ton business. Chidjoké, après tout le mal que je t'ai causé, merci beaucoup. Ne dis pas ça, voyons. Hein? Tu nous as déjà dit ce qui s'était passé, ok? Ça va aller, ce n'était pas de ta faute. Hein? Ça va aller, tu es mon sang. Et tu resteras à jamais, mon sang. Je suis désolée. Ça va aller. Arrête de pleurer maintenant, 5 okay? millions de Naira. Ah. The rose of Sharon. We are here to give you praise. How great I am. How great I am. How great I am. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. To buy everything but the ones you love are suffering. What's the use? What's the use?